Et comment ça va, mon cher 6? Bienvenue, re-bienvenue. Voilà, enfin, on y est. Le stream du soir. C'est déjà fait. J'ai rejoint ton Discord. Ok, voilà, ça, R6, c'est un gars, il avance. Il n'a pas le temps, d'accord? C'est-à-dire, le streamer, il ne sait même pas ce qu'il va faire ce soir. Et R6, il sait. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien les jeunes comme ça qui, hop, ils savent ce qu'ils veulent. Alors, on y va, il n'y a pas de problème, mec, je te suis. C'est bien, ça, c'est de la motivation. Ah, tu peux pas, non, tu peux pas mettre de... Mais dans Discord, tu vas m'envoyer une invite. Hop, j'ai en même temps, je lance DBD, j'étais parti hein, pour le lancer. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'y jouer à fond en ce moment. Je sais pas. Alors, on va y aller. Ah oui, mince, j'ai pas mis ma petite... Spotify sous la main. On baissait peut-être un peu le son. Hein. Voilà, ah, ça sera mieux comme ça. On va se détendre. Hop, le son du jeu vient se greffer par-dessus. On est bien. On est bien, mes lapins. C'était pour toi, pas le mien. Comment ça, c'était pour toi? Ah, tu me faisais mon... Ça y est, tu fais le... tu t'entraînes à la modo. Ah, bah, dis donc, c'est cool, c'est gentil. Ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est encore un peu tôt pour mettre des modos. Déjà, ce qui est bien, tu vois, de mon côté à moi, c'est que je prends ce rythme-là de faire les streams. Là, il faut que je fasse le planning. Je le ferai peut-être en fin de stream avec vous ou à part, je sais pas en tout cas. Mais d'avoir cette régularité que j'avais pas jusqu'à présent. Donc ça, déjà, je suis content pour ça. Oui, tu m'avais dit, je crois. Hein, que t'es... Ah non, c'est pas toi. C'est... Si, c'est toi. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé la même chose. C'est très gentil. C'est adorable, les gars. Je le note. Hein. C'est pas que je veux pas. Hein. C'est juste que là, bon, pour moi, ça justifie pas encore le moment pour le faire. Il faut aussi qu'on se connaisse. Il faut pas se voiler la face. Hein. Pour l'instant, j'ai de très bons ressentis avec toi, avec ceux qui m'ont demandé. Donc, c'est très agréable. Et il y a de fortes chances qu'effectivement, on fasse ça ensemble si vous êtes partant. Voilà, comme je te disais, même le Discord, effectivement, hein, Suitax m'en avait parlé de bosser sur le Discord, Jean-Kévin aussi, il y en a plein qui m'en ont parlé. Souvent, des gens de DBD, c'est rigolo. Si, c'était toi, hein, voilà. Donc, ça sera avec plaisir. Là, tout de suite, je vous embête pas avec ça, parce que moi, il faut que j'ai la tête dedans, en fait, pour me dire, allez, ça y est, c'est bon, on y va. 1er janvier, c'est bon. Je pense que, voilà, tu vois, on finit l'année tranquille. Ton joli Freddy derrière. Qu'est-ce que je l'aime, ce Freddy. Alors, tiens, on va mettre un peu plus de lumière. On dirait que je suis violet, quoi. Hop là. Ouais, qu'est-ce que je l'aime, ce Freddy. Est-ce que tu as le temps de jouer un peu ou pas? Est-ce que tu as évoqué la possibilité de jouer avec ton père, ta mère, ou quoi que ce soit? C'est une vraie question que je t'ai posée tout à l'heure. Je t'oublie pas, hein. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils jouent aux jeux vidéo déjà, tes parents? Parce que... Quelle est leur vision du jeu vidéo? Mon père, il a déjà joué avec toi à DBD? Ça, c'est cool. Moi, j'aimerais... Tu vois, je l'ai dit rapidement tout à l'heure parce que t'allais manger, mais... Quand j'ai lancé cette chaîne, je crois que c'est marqué dans la bio de Twitch, si je ne l'ai pas changé. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des games de famille. Voilà, ton père, toi, moi, mon fils, on se met survivant, on y va. Si ta mère veut jouer, il y a soit ton père, soit ta mère qui jouera tueur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut se faire des super trucs, je pense. Mais vraiment.
Et moi, je vois mon fils, je l'encourage à jouer aux jeux vidéo comme mes parents m'ont pas encouragé, mais m'ont permis de jouer aux jeux vidéo. Et je pense qu'on apprend tellement de choses. Moi, ça m'a appris tellement de choses aux jeux vidéo, mais vraiment que on se rend pas compte comme c'est important. Hein? Et si on peut faire ça. Non, ils ont pas des BD. Mais non, mais il n'y a pas souris. Mais. Tu vois, par exemple, moi j'ai la PS4 et le PC, donc c'est vrai que chacun peut jouer sur son compte. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous passer la manette, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ça le problème, quoi. L'essentiel, c'est que vous soyez ensemble devant un écran. Parce que aujourd'hui, ce qui pose problème dans le jeu vidéo, tiens, en même temps, je vais changer le titre du stream, c'est que on dit souvent, les gens pensent que le jeu vidéo, ça dissout les familles, ça évite la communication. Pas. Bien évidemment, si les parents ne veulent pas s'intéresser aux jeux de leurs enfants, je pense que c'est eux qui ont une grande part de responsabilité. C'est marrant comme des fois pour certains parents, pas tous, hein, c'est plus facile de s'intéresser aux jeux de petites voitures, aux trains électriques, aux Lego, quoi que ce soit, des choses que eux-mêmes ont fait quand ils étaient petits. Alors que, en fait, dès qu'on parle de jeux vidéo, il y en a plein qui se braquent, quoi. Non, c'est nul, ça crétinise, ça rend débile ou quoi que ce soit, c'est faux. Chaque génération a contesté les occupations ludiques des jeunes. Nos grands-parents, c'était la lecture. Ils pouvaient pas lire des livres, ça rendait débile ou trop intelligent pour travailler à la ferme, à l'usine ou quoi que ce soit. Beaucoup de nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour toi peut-être se cachaient sous leur drap le soir pour lire. On en est aujourd'hui là au même niveau avec les jeux vidéo. Et la prochaine génération qui aura bien assimilé les jeux vidéo critiquera certainement ce que feront les autres, les plus jeunes. Tu parles de DVD ? Non, il n'y a pas DVD, sorry. Oui, mais ma mère, pas trop, elle aime pas. Oui, DVD. Mais il y a plein d'autres jeux, hein, tu sais, on peut faire plein d'autres jeux ensemble. Je pense à DBD parce que c'est un de mes jeux, un de mes mains, mais il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu veux jouer du coup ou pas, ou est-ce que je lance des games avec des randoms ? C'est comme tu veux. Ah oui, il faut que je fasse un peu de toile en attendant. Alors, c'est le spectre qu'il faut que je monte. Ah, on y est presque au 40, on va l'y atteindre. On y va là, au 40. Prédateur, allez. Hop, hop. Donc là, petit stream jusqu'à une heure, je pense. Je suis un peu claqué, j'espère que je vais tenir. Longue journée. On va voir. Trop vite des fois. Un 39 et après on est au 40. C'est quoi ça? Démogorgon, claustrophobie. Chaque fois qu'un générateur est terminé, les fenêtres et sauts d'obstacles qui se... Ah oui, dans un rayon de 32 mètres sont verrouillés, ouais. Ça c'est chiant quand t'as ça en face. Voilà, et la dernière enseignable du spectre, elle est là-bas. Et voilà, on s'arrête là. Résistance à l'obscurité, très bien ça. Super. Ça dépend, si tu joues avec moi, non. Sinon, oui, je vais jouer un peu tueur, je pense. Je sais pas, on va voir, selon les défis que j'ai à faire. Si je termine cette paille, je l'achète. Je la déverrouille. Parce que j'en ai marre de les déverrouiller pas de les et de pas les finir. Hein. Leur donner de la thune pour rien.
Ah, je suis co, c'est comme tu veux. Non, non, c'est comme toi tu veux. Go, on y va, hein, rejoins-moi. Hop, hop. Là, j'ai fait ma petite toile. Je t'attends, je choisis mon défi, mon lapin. Survivez pendant que 4 autres... Ah oui, c'est vrai. Super, t'as rejoint le groupe. Bah, tu vois, tout à l'heure, hop, les deux, ça a marché. Pourtant, il me semblait qu'il n'y avait que toi qui étais sorti tout à l'heure. Non ? Je sais plus. Je suis palier combien en tueur ? Oula, pas grand-chose, puisque... Ah bah non, je peux pas. Puisque j'ai laissé en... En jachère pendant un ou deux mois, là, le gameplay tueur. Mais Freddy, avec Freddy, hein, vraiment, je suis allé au rang 1. En fait, je suis arrivé pour la première fois à rang 1 en tant que tueur, jamais en survivant, juste avant qu'il change, là. Avant, il y avait les rangs, maintenant, il y a ces rangs-là, là. Avant, tu avais du rang 1 au rang 20, et maintenant, tu as les cendres, bronze, argent, or, irisé. Donc, ouais, j'ai eu le trophée, le succès rang 1, je sais plus quand est-ce que c'était. Oh là là, j'ai les yeux qui piquent. Tintintintin. Ça va, on m'entend bien. Des fois, je parle trop près du micro, on comprend pas quand j'écoute les replays, quoi. En plus, ça a chopé la crête. Te revoilà, pas de soucis. J'avais mis ok, oui, c'est bon. Survivez pendant que 4 survivants se chassent de la partie, vous devez y rester pendant leur fuite. Ok. Ah oui, Discord, je suis dedans, je t'attends. Si je veux t'entendre, il faut que j'ai ça. Non, pas ça. Si ça, ça et ça, que ça parte dans le chat. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es dans le Discord? Apparemment, ça y est, c'est bon. Yes, voilà. Tac, impeccable. Bon, ça va depuis tout. Tu m'entends là, c'est bon? Je t'entends. Super, ça va depuis tout à l'heure? Je suis resté plus longtemps en fait, ouais, il est 22h30, je suis revenu. De quoi ? Je suis revenu plus tard que prévu, je pensais être là bien avant que 22h30. Ah. Mais bon, ça est l'essentiel, c'est de mettre là, tu vois, plus de poil à l'heure. 23h c'était prévu sur le planage. Sur le planage, c'est bien ce que j'avais mis ou pas ? Ouais, 23h. Bon bah du coup c'est pas un streamer surprise, hein. Le but du streamer surprise c'est de faire des jeux qu'on fait pas d'habitude, mais j'ai envie de jouer à des BD effectivement en ce moment. Allons-y. Allez, bientôt les 9000 éclairisés. C'est cool ça. Combien on avait dit l'autre fois, c'est un tueur? 9000. Ah. Tu vas prendre qui en premier alors? Ben je sais pas, je pense que je vais prendre soit l'esprit ou... Ah. Non en fait pas ou, je vais prendre l'esprit. Ouais, c'est bon choix. Mais là il faut que je farm 3600... 3000 au moins. Non pas 3000, 4640. En éclat irisé? Ouais. Je sais plus combien c'est par niveau. Moi c'est 235. 235, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je sais pas. Ça va aller assez vite, je pense. Bah, si t'es non-stop dessus, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. En fait, dans 17 heures. Dans 17 heures, les points de sang sont plus doublés. C'est-à-dire, à quelle heure c'est... Déjà, ouais. Déjà, ouais, c'est vrai que ça passe quand même fort vite, hein.
Et 16h demain. 16h, ah, ils vont faire la mise à jour demain soir. Pense à faire ta mise à jour demain soir. Je pense qu'elle va être demain soir pour mardi, le nouveau tueur. En général, ils font comme ça. Et vu qu'elles sont un peu pénibles, les mises à jour des BD. Ouais, je crois que c'est, ça va être comme ça. Putain, on est déjà à la sortie de l'artiste. J'ai l'impression que les tueurs, ils défilent, en fait, là, les nouveaux tueurs. Ça va à une vitesse, là, maintenant. C'était tous les 3 mois, il y a le tueur. J'avais jamais tilté avant, mais là... quand j'ai commencé le jeu, c'était le Oni, le premier tueur qui est sorti. Et putain, après, c'est cool, ils ressortent des nouveaux tueurs et tout. Putain, le Oni, le Lance-Mort, le Fléau, le Bourreau, bam, bam, bam. Je dis, putain, ça arrête pas, quoi. Limite, tu commences à te faire au Cénobite, quoi. Là, il y a eu le PTB qui dit, voilà, il va y avoir un nouveau tueur dans un mois et demi. Ok. Et le voilà, déjà. C'est plutôt bien, le jeu. C'est clair, non, c'est vachement bien parce que le jeu, il est toujours présent, il y a toujours plein de joueurs, quoi. Parce que si ça serait, tu vois, un tueur sur un an, là, par contre, je dirais, ok. C'est clair. Mais là, ça va. Non, c'est génial. Parce qu'en plus, à chaque fois, c'est un nouveau gameplay, quoi, tu vois. Et le jeu, il reste toujours numéro 1 des ventes quasiment sur Instant Gaming, je crois. Il est toujours ou dans le top 3 ou... C'est ouf, ça. Et là, Epic qui va le faire gratos, là. C'est ouf. Mm. Je l'ai vu, il est déjà annoncé sur le store Epic. Il y a toujours à Valorant, hein? J'ai joué quand j'ai eu mon PC au début. Je suis pas grand fan. Déjà parce que je suis pas très fort en FPS. Ouais, non... Le seul vraiment qui m'a plu, c'est Apex Legends. Fortnite, ouais, mais je n'appelle pas ça un FPS. Fortnite, c'est clairement pas ça. Ouais. Apex, j'aime beaucoup, ouais. Warzone, j'y joue un peu, mais prend trop de place sur une PS4. C'est vrai, par contre. Tu vois. Mais Valorant, ouais, pas suffisamment pour kiffer. Je pense que ça pourrait me plaire, hein, je me connais. Mais là, je vais plutôt essayer de jouer à Rainbow Six avec un viewer et streamer, là, qui va me montrer ça, parce que je trouve très sympa ce jeu à regarder, en tout cas. Bon, on est sur la map méga géante de Raccoon City, où il faut trouver les générateurs cachés, parce que je ne la connais toujours pas bien, cette map. Oh, coucou. Ah, mais c'est toi, ça. Ouais, c'est moi. Ici, il y en a toujours un, ça c'est sûr, valeur sûre, donc le tueur devrait pas tarder à venir par là. En parlant du tueur, le voilà. Ouais. Oh là. C'était pas léger, c'est qui là? Oh, notre ami le farceur. Qui est bidon, parce que là, je suis passé à côté de lui, il m'a juste enrhumé, quoi. Enfin, bidon. Je suis pas sûr que ça... Reste un peu loin du générateur, je vais le faire. Ah oui, là je l'éloigne, je suis carrément sur le toit là. Ah ouais. Tu vois, donc là je redescends dans la tour par l'extérieur, il est bloqué. Je pense que ça va être chaud. Il n'utilise pas son arme. Très peu en tout cas. Là je le tiens, j'essaie de le garder au loin. Je vais lui faire un autre tour dehors. On est toujours dehors. Ok. C'est un peu trop facile, je comprends pas pourquoi c'est... D'ailleurs, le farceur, c'est pas un personnage des plus faciles à jouer. Et là, ça se voit que c'est pas un bon, quoi. Le gars, il débute, quoi. Tu vois, un générateur, il m'a pas hit, il utilise que ses couteaux, le pauvre. Il va criser, hein. Ah, il est là. Ouais, non, je l'écarte. Il est venu sur toi? Merde. Ah, ouais. Bon. Non, t'inquiète, pas grave, hein. Je l'ai tenu. Mais j'ai perdu. Je vais faire le gène qui est dehors, là. Ah, bah non, il est pas là. Il est où? J'ai perdu le générateur.
Sûrement, il est où? Non, je sais pas où il est parti. Allez, je pense qu'il est en bas. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça, c'est déjà vu, votre générateur. Il est sur le toit, il casse la palette, okay. Enfin. Je le ramène faire un autre tour. S'il aime ça, on va se balader, hein, mais... S'il comprend pas... Bon, là, il a pété la palette, par contre, il faudra que je l'amène ailleurs. J'ai vu qu'il y a un trou dans le mur, hein. Je vais m'en servir, ça. On peut pas. Ah, mais il y a quelqu'un vers moi, c'est toi? Non, c'est l'autre qui s'est pris le coup, c'est pas moi. Et moi, c'est ouais. Et il y a Dwight aussi, tout le monde est venu vers moi, là, c'est gentil, les gars. Mais ah, ça bah va. Moi, je vais pas moi trop. Je gère, écoute. Il est plutôt facile, malheureusement, le pauvre, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui, je ouais. Le sens. Ouais. Faudrait pas qu'il déco, quoi, tu vois. Bon, mais je te suis, tiens. Oh, je ne veux pas non plus. Normalement, il y a un générateur de là, ouais. De mémoire, je suis pas sûr. Souvent, il y en a par là. Non, là non, moi je dirais. Hop, par ici. Et normalement, ici non. Mais pas ici. Non. Ah non, bah. Ici, mémoire perdue. Sur cette ah, map. Ah, ici. C'est parce que je me disais. Oui, c'est vrai. Alors, il y en a aussi à dehors, ça j'en suis sûr. Mais c'est pas ici. Ah oui. Non, alors, c'est de l'autre côté. C'est celui que j'ai commencé à faire de l'autre côté. Putain, mais ils sont... Coucou. Alors, bah viens, on va passer par là. Là, je sais qu'il y a pas, une là. Palette qui est ici. Elle est toujours... Non, non, ici, il n'y en a pas. Ok, c'est bon, je viens de remémorer la map en tête. Donc, normalement, on monte en haut par l'escalier. Et celle-là, j'ai toujours pas capté. C'est immense. Puis tu passes par ici. Et... Je... Voilà. Tu m'as perdu? Ouais. Ici, derrière toi, derrière toi. En haut des escaliers, t'as pris à droite, ok. Ouais. Ouh, il alors, y en a encore un autre ici aux toilettes. Oh purée, c'est nickel. Attends, je peux pas passer. Ah, pardon. Hop. Ah. Merci. Ah, bah, il est fini, hop. Voilà. Ah, excuse, vas-y. Ah, bah. Ah, merci. C'est un peu à l'étroit ici. C'est un peu ouais, à l'étroit. Ouais, non, moi, il y en a encore. Non, mais ici il n'y en a pas. Ok, il y a toujours la palette. C'est bon à savoir ici. Ouais. Il n'y en a pas dans les couloirs. On n'a pas être... Non, dans les couloirs il n'y en a pas. Là, ici. Ouais, là, ouais. C'est pas si je me disais, il y en avait à tout près. Je sais pas ce qu'il fait le pauvre, mais. Ah. Il peut pas toucher le générateur. Hein. Il y a Yui qui va déguster, j'ai l'impression, non? Non, ils sont sortis. Non. Pas... Elle est sa meilleure vie. Il faut pas. Ouais. Il faut pas qu'il découle. Non, pas de rage quit. Non, mais en vrai, c'est. Est-ce qu'il est? Il est en bas. Non, il est en bas, il est en bas. Ça ne peut mal, t'inquiète pas. Je pense qu'il essaie de trouver. Hop. Putain, il me fait trop peur lui. C'est Dwight. Celui attention là. Je prends l'étage, il est sur moi. Je saute là. Ok, je lui ai fait un 360, il a rien compris, je continue sur le générateur. Il est derrière moi toujours, je saute. Il est derrière une palette par deux, là. Un. Et voilà. Ouf. Trop de sauts. Trop de. Et tout seul ah, après okay, ça. Donc il peut nous one shot là, j'ai un peu peur. Tu crois là? Je pense que je vais rester. De quoi? Il peut nous one shot? Ah ouais. Oui, il peut nous one shot. Ah oui, il peut nous one shot et ça, c'est un peu dommage. Je la connais, c'est... Je connais pas cette perk. Cette perk est assez cheatée, oh, je putain. Trouve. Lâche. Ouais, c'est bien. Elle m'a pas des hooks. Yui. Cool. Allez, on va soigner le gars par terre. Go. À deux, ça devrait aller. Non, il est sur moi. Allez, laisse-moi. Non, il ramasse le gars. Monsieur, allô?
Il va vers toi. Bien joué. Ouais, il a pas de la gueule. Attention. Ouais. Non, je ferai pas. Bien fait. Je pourrais pas tout de suite le prendre. C'est clair. Je me soigne et j'y vais, hein, parce que l'autre est sur le générateur. Si tu peux le tenir encore. Allez. 10 secondes. Ne t'inquiète pas, là, moi, je pense qu'il m'a de nouveau perdu. Ouais, il t'a zappé, là. Ouais. Je vois son aura et je vois la tienne, donc c'est pour ça. Allez. Hop. Il m'a vu, là. Hop, je suis là-haut. Viens, viens. Putain. Il me veut, moi. C'est bon, je déroule. Allez, go. Allez, hop, il a loupé son coup. Désolé, gars, mais j'ai pas me laissé buter par un mec comme toi. C'est clair. T'es prêt pour ton coup c'est... Hop. Ah. Je passe devant, ah, il non, fait rien. Ah non, il tunnel. Ah non, il tunnel, il tunnel. Viens, on va aider le générateur là en dessous. Attends, non, non. Je moi, on va pouvoir ouvrir la porte. Ah, moi, il y a le générateur ici. Parfait. Oh putain. Si j'avais une trousse à outils, là, j'aurais saboté le crochet. Là. GG, les gars. Ok, je vais pouvoir déhook, j'attends qu'il prenne de la distance. Il est descendu, c'est bon, il est tombé. Je déhook. Ah ouais, il veut ouvrir la porte. Ouais, ouvrez les il portes. Il protège la porte. Laquelle? Il y a l'autre à l'opposé, quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Ouais, il y en a une là, l'autre, je connais pas par cœur. À l'opposé, à l'opposé du hall, en fait. Ah, ok, merci. Merde. Mais je pense qu'il va à l'opposé, pas celle-ci. Parce que s'il aurait voulu nous. Allez, go. Est-ce qu'il est à la porte devant le hall d'entrée ou l'autre derrière? Non, la porte de hall. Devant okay. Le hall d'entrée, elle a été bloquée par une de ses percs. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle cette perc là. Et sinon, on va aller sur l'autre. Donc, pas hall d'entrée. J'y suis à côté. J'y suis à l'autre. Il y a personne. Je suis avec Dwight. Hein. On est tous les deux à l'autre oh, porte. Oh non. Je suis perdu. Je sais pas, on pourra sortir ça. Ah non, ok, c'est pas, je vais me retrouver. Ok, ok. Ouvre la porte tranquillement. Ouais, ouais. Ça me fait mal, moi. Il est pas sur nous, en tout cas. Je la laisse à 99. Non, elle est sur la Yuki. C'est bon, c'est ouvert à 99. On va se planquer. Ah oui, elle est sur. Elle est sur. Je viens de te chercher. Celle qui court. Non, c'est bon, je suis là, moi. Vous êtes à l'étage, non? Ok, en fait, je vais de faire un truc, je vais de retomber sur mes pas. J'avais oublié ça. Il est sur toi, là? Il lance des couteaux à toi, là? J'entends les couteaux, là. Non, il est pas sur moi. T'as ouvert la porte ou pas? Vas-y, non, la porte, c'est pas l'ouvrir de l'autre côté. Vas-y, tu peux l'ouvrir. T'es sûr? Vous êtes là? Tout le monde est là? Attends, je laisse Dwight faire. Ouais, tout le monde est là, t'inquiète. Allez, go. Hein. Vous sortez en premier, moi je suis en dernier. C'est cool. Et l'autre, Yui, il est où, là? Elle m'a suivi? C'est une blague. C'est bon, j'entends courir, non? Oui, non. Elle est où? Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Moi, je te conseille de pas y aller, parce que bonne chance pour survivre de ce bazar-là. Il a slug, il la ramasse pas. Je vais essayer de la réa. Où est-ce qu'il peut être? Ah ouais, donc là il peut le one shot, ça? C'est une raid. Je crois, ouais. Attention, il est sur moi. Je me bats. Je suis perdu. Non, 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 non. Pas que je sois perdu. Ah, il m'a lâché. Oh non, non. Oh non. Ouais. Essayer de trouver le totem. Il casse la palette. Faut qu'il puisse ramper, ça serait bien. Non, moi, vous rampez jusqu'ici pour sortir, logiquement, non? Mais je comprends pas ce qu'elle fait, là, Yuri. Aïe, aïe, aïe. Wow, il m'a loupé. Je me barre, je suis désolé. Mais oh là, non il a one shot. Non, non, t'inquiète, ça devrait être bon. Non, c'est trop loin. Ah, putain. Putain, le non, cochon. Non, je me suis barré. Non, ça va.
Il va pas m'accrocher. Ah si, il y a un crochet juste là. Putain. C'est bon, peut-être que Dwight, il va sortir. Non, attends, je peux encore me décrocher. Ça... Non, merde. Je suis déjà en P2, c'est vrai. Bon, je le fais pas rôter. Ça se voit que là, il est pas là pour rigoler, lui. Putain, c'est clair. Et tu vois encore une fois où un tueur, il fait rien de la game. Il est nul, hein. Mais il va avoir 3 kills. Sauf si ça, Yuli c'est grâce à la P3. Ok. Et nous... Bah c'est fait, c'est nous one shot toujours. Et le gars, il croit qu'il est bon, tu vois. Allez Yui. Non. Ah, il va même pas la laisser sortir, quoi. Alors, Yui, elle est quoi? Elle est P3, elle est morte. Bon. Non. Ah non, c'est vrai. Elle a peut-être possibilité de me sauver les fesses. Allez, tente, vas-y, une fois. Allez. Oh non. Deux fois. Moi, je suis mort. Trois fois. Oh non. Écoute, c'est comme ça. Mais ça fait quand même la deuxième fois. Je vais essayer de la tirer vers la porte. Et je m'enfuis. Ça, ouais, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, t'inquiète. Là, avec attends, Noël, et le mec, de il toute avait façon. Quoi comme sort Noël. Alors, j'ai hâte de voir. Voilà. Noël. Ça. Intimidé. Voilà. Oh, contrôle des donc, foules. Tout. Ouais, le mec, il avait tout pour nous one-shot. Il bloque si les fenêtres. Il n'a pas intimidé, il avait Noël. Non, intimidé. Donc, pour le portail survivant. Ah ouais. D'accord. 28 secondes, ça persiste l'effet. Et c'est bon, ça, intimider. Mais ouais. Putain, là, tu vois, il y a des gens, ils se croient forts juste mets... avec un ah ouais, effet. Non, mais c'est ça, quoi. Noël, ça lui a sauvé sa game, hein, parce qu'il a rien fait avant. Il m'a hook, moi, une fois, c'est ça? Il a hook Dwight une fois. Sinon, moi, je sais pas ce qu'il a fait, il m'a donné 3 coups dans le vent. Voilà. Il était pas ouf. Déjà, moi, je ne suis pas ouf au jeu. Mais, écoute, là... Voilà. Le mec, le problème, c'est qu'il va se dire putain, je suis balèze à ce jeu, quoi. Et il va continuer à jouer comme ça. Tu vois, et c'est comme ça qu'il y a des méta qui sont un peu. Pas fun, quoi, à jouer, quoi. Tu es survivant, tu dis putain, je fais une super game, c'est cool. Le gars est pas bon, tu vois. Limite, on le plaint, on se dit putain, ça va pas être facile comme des comptes. On dit ah là là, le pauvre. Pourvu qu'il rage-quitte pas, je me dis putain, et derrière, il te fait ça, quoi. C'est ainsi. Bon, en tout cas, j'ai pas vu moi le nom. Prochain niveau, je pourrais voir combien d'XP ça fait quand on passe au niveau de dévotion supérieure. Là, je suis au niveau 1. Toi, tu dois être au niveau 0. Je suis déjà à 89, c'est cool. Putain, Tarna, ils sont au niveau de dévotion 100, des trucs de fou, quoi. Il y a du lourd. Hein. Dévotion, c'est quoi? C'est quand tu passes... Tu vois, c'est ce niveau-là, là. Niveau du joueur. Attends, à côté des rangs, là. Celui qui te donne les éclats irisés, en fait. Ça, niveau de dévotion. C'est la progression générale. En fait, pour voir s'il y a un joueur... joue depuis longtemps, tu regardes ça. Là, il y a un 1. Oui, il y en a. C'est possible que j'ai vu un mec avec un 10 en dessous. Ouais, 100... je sais plus qui en a 100. C'est Excel Elite qui en a 100, je crois, un truc comme ça. Je dis peut-être une connerie. Il faudrait regarder, mais il y a des streamers. Tu regardes, tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Parce que, bah... vu qu'il y a des prestiges, il y a des joueurs qui prestigent pas, donc tu les vois, ils sont au niveau 50, surtout le tueur, sans avoir de prestige. Tu dis, ouais, bon, bah ça va, ils ont fait un premier tour, ils ont pas passé les prestiges 2, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils prestigent pas, et en fait, ils ont, je sais pas, un niveau 10, 20, 30. Donc ça, c'est le vrai... Ah, c'est juste pour ça. Ouais, c'est pour éviter de... C'est pour vraiment être au plus juste sur ton ancienneté, sur ton expérience totale, quoi, tu vois. Ah ouais.
c'est ça qui te donne les éclats irisés, quoi. Ouais. Oh, je suis argent 4. Oh, oh, il me manque encore... haute progression, je passe argent 3. Ouh. Yes. Ah, mais là, moi, je stagne en cendre, quoi. En survivant, mais alors, c'est pas un truc. En cendre? Ah, je suis cendre. T'étais pas irisé, toi, avant? J'étais pas quoi? Irisé? Non, c'était pas toi qui étais irisé. En survivant. Ouais. Non. En survivant, alors que c'était avant les rangs, le mieux que j'ai fait, c'était rang 8. Donc, je pense que c'est équivalent hors 1, je pense. Ah, ok, parce qu'il y a un pote. Ah, ouais, c'est un pote à moi qui est irisé, pardon. J'averse. Ouais. Il a un peu la même voix que toi. Ah ouais. Non, en survivant, j'ai jamais réussi grand chose. Déjà, rang 8, j'étais content, quoi. J'ai dit, putain. Mais, moi, mon but, c'est d'être déguisé. Mais ce serait impossible obligé. Pour moi. Si, si, tu verras. Vu comment là, tu joues déjà, vu comment t'as capté le jeu. Si tu le penses comme tu le penses là en ce moment, vas-y. Moi, DBD, c'est vraiment mon jeu préféré, mais tu vois, sur, je regardais les stats de la chaîne, là, sur un an, il n'y a que 33%. C'est un tiers du temps, sur la chaîne, il y a du DBD. Donc, je suis pas à fond dessus, quoi. Mais j'aimerais. Bah, oui, c'est normal, il n'y a pas. Parce que si ce serait toujours le même jeu que tu jouerais pendant un an, deux ans, trois ans, à un moment, tu t'en lasserais, tu vois. Bah, donc, moi, je pense il faut varier. Ouais, ouais, mais moi, ça me dérangerait pas, tu vois, de faire du stream que sur DBD. Le problème, c'est que je stream pas toute la journée, c'est pas mon métier, tu vois. Donc, si je streamais toute la journée, je pense que je ferais que du DBD. Et en dehors, je ferais mes jeux à moi. Mais là, du coup, vu que je fais que le soir, un petit peu, et puis de temps en temps, un peu plus long quand je suis de repos, bah, je me permets de faire des jeux, autres jeux que j'aime, comme Hunt, voilà, tu vois. Du Formule 1, du NHL, des trucs comme ça. Oh. Mais si j'avais une chaîne à temps plein, j'aurais fait du DBD à fond et c'est sûr. Tellement j'adore ce jeu, quoi, tu vois. Ouais, tu vois, il y a comme des gens comme toi qui pourraient faire du DBD tout le temps et ça ne lasserait pas. Et il y a des gens comme moi qui sont obligés de varier, tu vois. Ouais. Parce que toujours jouer à un jeu, moi, ça va m'enlacer. Je ne sais plus y jouer. Je vais l'oublier. Puis je vais une fois retourner dessus, puis je dis « Ah ouais, ce jeu-là !» Et puis je vais commencer à rejouer que à ça, puis ça va encore me c'est toujours comme ça avec moi. C'est ça, ouais. Ouais. Alors que moi, tu vois, sur les jeux vidéo, depuis que j'y joue, je reviens rarement sur un jeu quand je le quitte, quoi, tu vois. Ouais, je réfléchis. À part Assassin's Creed, il y a un jeu que j'ai quitté refait. Et que je suis un peu déçu de l'avoir quitté, c'est Black Ops 3. Pour moi, un des meilleurs Black Ops. Les Call of Duty, moi je me suis arrêté au premier Modern Warfare, tu vois, donc c'est il y a un moment déjà. Après, j'ai plus suivi. Échec, rejoignez la partie. La partie que vous essayez de rejoindre n'est pas disponible. Merde, t'es pas avec moi. Attends, je quitte le groupe. Voilà. Ah, ça m'énerve, ça bug. Ouais, c'est chiant, tu vois, ça recommence. Là, je te retrouve. Hop, tu me vois. C'est bon. Pardon. Non, c'est bon. Puis moi, c'est moi qui vais rejoindre le groupe, tu restes ici. Qui c'est ouais. Ah ouais, 3300 XP. Oh. Où ça? Pour monter mon level, en haut à droite. Là, de dévotion gober. De dévotion, là? Tu veux dire? Attends, montre un peu sur ton screen. Tu parles de quoi, là? Ah ouais, voilà, ça. Tu parles de ça, ouais. Ouais, mais regarde, une partie, en général, c'est... c'est un huitième. Là, tu vois, en une partie, si je fais les parties comme je fais, là, je passe le niveau 90, là. Il reste 371. Ah ouais, ouais, allez, peut-être que je vais être juste limite. Je pense qu'au niveau 1, c'est un peu plus. Je sais plus. Ouais. Bah, je suis déjà niveau 29, ça m'a... Donc c'est quand même beaucoup. Je sais pas. Et le prestige, j'imagine que c'est niveau 100, c'est ça? Et niveau 29, dévotion, là? C'est ça? Oui. En un mois? Ça va, tranquille. Hein. De quoi? En un mois. En un mois. T'as fait ça en un mois? Oui.
Ça va, hein, franchement, niveau 29, t'as fait un tiers de ta dévotion en un mois. T'imagines ? Là, c'est ton premier mois de game, t'es argent 4, c'est ça ? Dans, bah, logiquement, dans 3 mois, t'es rang irisé, quoi. Allez, 4, on va dire. Bah si, mais clairement, si tu fais que du survivant, si. Ouais, mais après, j'ai encore des cours à côté, donc... Ouais, c'est clair. Après, t'as les vacances aussi, hein. Ouais, mais c'est pas quand je veux les vacances. Ça, qu'est-ce que t'as besoin ? D'accord. C'est combien les vacances de Noël ? Et ça approche, c'est, hein, c'est dans 2 ou 3 semaines. Hein. Ouais, ouais. Et bon. Dans 2 ou 3 semaines, ouais. Mais ouais. Donc déjà, si c'est déjà la semaine... Pour... Ouais, donc j'ai déjà une semaine en moins. La semaine prochaine, je... Je sais pas, là. Ouais, mais donc, regarde, ouais, là, quand tu dis tu joues tous les jours, tu joues un petit peu tous les soirs. Tu joues pas 3 heures par jour. Ça quoi. Dépend. Non. Tu vois, suis donc, pas là. Non, par exemple, là, je me réveille à peu près à 9h. Mm-hmm. Je vais un peu sur mon tel quand je me réveille. Mm-hmm. Puis je vais déjeuner. Puis je joue. À midi, ouais. je vais manger. Puis je recommence à jouer. Ouais. Etc., etc. Jusqu'à 19h, puis je vais encore manger. Et puis je continue à jouer. Ou ouais. Dormir, ça dépend. Et quand t'as cours, tu joues le soir. Et quand j'ai cours, ça dépend même. Des fois, je ne joue même pas. Ouais. Parce okay. Que des fois, ils donnent la blette de devoir, donc... Ben ouais, c'est clair. Donc voilà, déjà, si là, dans le mois que t'as joué, t'es avec moi, là, ou pas ? Oui. Non ? Oui, si, c'est bon. Avec toi. Déjà, là, dans le mois que t'as joué, t'as eu des cours, donc t'as pas joué toutes les journées comme ça, quoi. Non, non. Donc, tu vois, je te dis, dans 4-5 mois, t'es irisé rang 1, quoi. Mais si, mais c'est sûr, tu verras. Tu verras. Tu veux rire ? On parie ? Regarde, on est au mois de novembre, ouais. On va dire décembre, janvier, février, mars. Au 1er avril, on va bien rire, ouais. Tu verras la blague, tu seras rang 1 irisé au 1er avril. Mais de base, tu sais que d'abord, je me suis dit, je vais être main tueur et pas survivant. Ah, sérieux ? Ah ouais. Et je fais plus de survivant que de tueur. Alors que moi, le jeu, j'ai commencé, je dis, je serai main tueur. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait que du tueur sur PS4, quoi. Ouais, mais après, je veux bien faire du tueur, mais tu vois, ça m'amuse pas. Toujours jouer les mêmes personnages en boucle et en boucle, c'est pas amusant. Ah ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'adore. Bah, je joue que... Comment ça s'appelle ? Le farceur, là. Ouais. Farceur, Ghostface, c'est les deux que je joue. D'accord. Non, moi, ça m'éclate toujours, quoi, tu vois, parce que le seul truc, c'est vraiment au rang 1, putain, là, les games que j'avais, là, tu t'en prends plein la gueule, tu dis, waouh, il y a un autre niveau dans les rangs irisés, hein. C'est ouais. Clair, ah ouais. Jusqu'au rang 3-4, je m'amusais bien. 3 jusqu'à 1, tu dis, oula, bon, ça va, mais rang 1, waouh. Ah, t'as déjà été irisé, toi. Oui, en tueur. Ah en non, tueur. Bah, tu regardes les streams. Ah, ouais, en tueur. Aussi, alors, ah ouais. Ouais, non, en tueur. Et ça aussi, c'est pareil, il faut regarder des streams. Regarde comment ils jouent, les différents joueurs. Chope-toi un streamer qui joue ton tueur. Mais c'est ce que je fais, tu vois. Ouais, ouais. Et bah, vraiment, même, tu je varie un peu. Je vais pas regarder que le même tueur, sinon après, ça me... Non, bien sûr. Mais quand t'es sur un tueur, le lâche pas, quoi. Tu regardes le gameplay et tout. Merde, j'ai changé mes défis, moi, ou pas ? Mais non, comme un con, quoi. Alors. On va faire le petit générateur du saloon, comme d'hab, pour démarrer. Qu'est-ce que ça, Myers ? Oh, purée ! Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Oh, putain ! Il est sur toi, donc. Oh, il est gentil ! C'est-à-dire t'es sûr qu'il est gentil, là ? Il vient de passer en P2, déjà ? En P3. P3 ? Ah, avec moi, il est gentil, on dirait. Je sais pas.
Je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Tu vois, comme quoi, tu disais ta copine, c'est pareil. Elle se fait aimer des tueurs. Des fois, il y a un feeling qui passe. C'est une histoire d'amour, c'est quelque chose comme ça, quoi. Inexplicable. C'est de la séduction, quoi. Ah, il veut me tuer, en fait. Ah non, il veut tuer la mec qui est avec moi. C'est tout, les gars, là. Là, on est au truc de pendu, là, tu vois. Ok, moi, je suis dans le saloon, essayez de le garder. Ah ouais, d'accord. Tout le monde arrive, quoi. Salut! On a fini. Allez, celui-là, merci. Il est fait. Merci pour mon défi, meuf. Ok. Celui là. Oh purée, merde, j'allais directement sur lui, quoi. Non, ne me regarde pas, t'es pas beau. Pourquoi une bodyguard? Une bodyguard, moi. Une bodyblock. Je sais pas qu'est-ce que je l'aurais fait, mais ouais. Viens sur toi, là. Ouais, je lui fais un beau petit brain. Non, en fait, non. C'est lui qui m'a bien brain. Il casse toutes les portes. Ok. Moi, j'y retourne. Hein. Je vais te perdre. Le cadeau que je lui donne. Ouais. Le cadeau que je lui donne. Ah, il s'est planté en spamant. J'étais où, là? Tu passais par où, toi? Je me suis mis dans le casier, j'ai fait au culot, là. Oh, le culot que j'ai, si ça marche. Oh non. Il y avait quelqu'un d'autre dans le casier. C'est toi? Ah, c'est toi à côté, ça? Moi, je suis dans un casier pas loin, hein. Oh non, 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 monsieur. Ouais. Ok. Moi, il faut que je me soigne, il faut qu'il se barre, là. Si je sors maintenant, je suis dead. Là, je vais avoir le troll, là, corbeaux. Donc. J'ai toujours hook. J'arrive. J'hésitais à m'échapper. J'arrive. Non, on crame pas. J'arrive. Je suis là. Je sais pas où il est, lui, mais... Il casse la porte derrière toi. Passe de... Dispersion. Je sais pas où il est. Il me veut mal. Il fait quoi? Il est pas sur nous? Je me soigne, mec. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? À l'autre bout de la map. C'est même pas moi qui me veux, ça c'est étonnant pour une fois que personne me veut. Personne me veut. En vrai, j'aime bien les esquives que je mets des fois. Le petit 3-6, tout ça. Faut tenter. 3-6. Mais ouais. Après, j'arrive à bloquer avec des palettes. J'arrive à faire. À des moments, j'arrive à faire tourner le tueur, mais à des moments, j'arrive pas. C'est ça le but. C'est ça que tu vas kiffer en survivant, c'est de louper en fait. Quoi. Allez, on fait ce gène parce qu'il est chiant. Tu fais lequel là? Celui du pendu. Attention, Meg. Ouais, elle a compris. Hop là. Il est là-bas. Moi, je vais au fond. Il y a un autre générateur normalement là-bas. Ah, mais d'ailleurs, j'ai fait mon défi moi d'assommer. Ça y est ? 4 fois au tueur. Ben oui. Ah non, il n'y a pas de générateur. Ah, il est là, tiens. C'est rare. Ok. Bon, je pense qu'il est. Je dis ça, hein, mais. On verra au sprint final. Je pense qu'il est éclaté le tueur. Le mec est seul. Ouais, le mec. Tu vois, il va commencer à payer 3 et finir. Ouais, tu vas voir, ouais. On fait les cakes, mais... Oh là, il est pas loin. Je me méfie des Myers. Ça il a les goût. Yeux revolver. Tu m'étonnes. Il te met une claque, tu t'endors. Michael Myers. Oh putain. Oh oh. Oh oh. Oh. T'es sur un gène? Ça peut faire bobo. Là, je suis en train de faire un gène, oui. Effectivement. Ok, j'en commence un, moi. Il reste au sol. Oh là là. On est tous les deux sur un gène. Bon, je me rapproche. Reste sur ton gène, t'as certainement plus avancé que moi. Ouais, voilà. Ah ouais, t'es là, d'accord.
Mais des autres. Oh, il l'a mis. Il l'a mis à la cave, l'enfoiré. Où est-ce qu'il est? Oh putain. Il faut que je le suive. Là. Vers la fenêtre plutôt. Ah ok, là il peut plus nous one shot. Il est parti. Il vient vers toi quasi sûr puisqu'il vient de sortir à l'instant de sa cave. Je découpe les deux. Allez, on se barre. Il est effectivement sur moi. Ok. J'arrive à me barrer. Ou peut-être pas en fait. Si, si. Je fais le générateur qui est proche de la porte. C'est toujours plus sûr. Ok, vous faites ce générateur là, vous. Ouais, mais tu l'as fini, tiens. Ok. Je suis tout seul. J'en ai fini. Je le vois pas. Je sais pas où il est. Ok, si je l'ai vu, il m'a perdu. Je l'ai perdu. Il m'a perdu. Je me mets dans les herbes, il me verra pas. Quasi sûr. Il me voit pas. Ça me saoule, ouais. Le générateur, en fait, quand il tape dessus, il y a une perque. Ouais, c'est celle du docteur, je crois. C'est surcharge, ça s'appelle. Ouais, je pense que c'est ça. Très efficace. Là, je vais la voir encore. Là, vous faites quel générateur, vous? Celui vers la porte, là, tu sais. Ok, ouais, je vois, t'inquiète. Celui qui est entre les deux portes, là. C'est ça. Ok. Tu vois le totem bleu? À la droite, oui, du totem bleu. Oui, je vous vois, t'inquiète. Okay. Je vous vois. Ah non, moi, je suis tout seul, donc ça veut dire que eux, ils font un gène. C'est cool. Toi, t'es sur un gène? Ah ouais, ça te faire... Oh, ah mais c'est toi là en fait. Tu vois où je suis moi? La porte est juste à côté. Ah oui t'es là, ok. Bon bah c'est cool. Oh, tu m'as fait peur un peu, je me dis putain je t'avais pas vu arriver quoi. Ah oh, mais Ghostface, ça tu connais, on s'est entraîné. C'est clair. Les réflexes du crouch. Bon on est tranquille, c'est bizarre. Ah, la porte. On court vers la porte. Vas-y. Let's go. J'ai frisson, hein, donc je te dis dès qu'il regarde vers nous. Putain. Oh là là, il faut ouvrir et se barrer là. À moins qu'il shoot quelqu'un tout de suite. Ouvre. Non. Bah voilà. Oh putain. Ah merde. Après elle trollait, c'est sa faute. Bah ouais. Ah ouais, non, le Myers, là. Là, on est à découvert, là. Hein. On est d'accord? Non. Je ne pense pas, non. Il a juste sa P3, c'est tout ce qu'il a. Il fait chier. Et il va encore réussir la partie grâce à sa terreur. On parie combien qu'il va encore réussir sa partie? Ouais, c'est ça, le pire. Je comprends même pourquoi mon pote me disait qu'il faut que je commence avec un Myers. C'est jouissif hein, comme tueur, c'est clair. Ah bah, j'y vais, moi, comment... Ah, ok. Il n'a plus sa P3 finie. Ça y est, des hooks. Là, je suis à côté de la Allez, porte. Ah, putain. Allez. Si elle se fait rattraper... Directement à la porte, enfuyez-vous. Bah je les vois pas moi, c'est pas moi qui déhook donc là ils se démerdent hein, maintenant. Ok, ah, il y a la ils porte. Font quoi ah, c'est toi ça. Oh là là. Non. Oui, c'est non, mais le troll, viens au sort, c'est arrivé. Ah bah viens. Ah oui, de toute façon il est dead. Parce qu'il est de toute façon mort. Ouf. Bon, enfin. Enfin. Bah désolé, à l'autre côté on a essayé de mourir, mais après il trollait donc... Ah non, mais c'est bon, et si en plus il cherche, c'est bon quoi. Ah bah voilà, ça m'a fait le défi, c'est cool. Alors, c'est... Une erreur de progression de rang. Impossible de tenir votre progression de rang, redémarrer le jeu, devrait vous permettre de voir votre rang c'est actuel. C'est chiant ça, sérieux. Normalement, c'est conservé. Je sais pas. Regarde, je tu suis vois. Peut-être passé.
Là, j'ai pris 577 d'XP et c'est 300 éclats irisés quand t'es en niveau dévotion 1. Donc toi, tu m'as dit 300 à chaque niveau. Ah, moi, c'est 235. Voilà, donc tu vois, ça augmente après. Plus tu... Donc c'est pour ça, t'as des streamers... Et je trouve ça très logique, tu vois. Ouais, je trouverais plutôt que ce serait mieux qu'ils le mettent exactement plus au début et moins de moins en moins, tu vois. Comme la plupart des jeux, c'est ça, ouais. Ouais. Donc là, si par exemple je redémarre mon jeu, je passe or, or moins, argent 3. Ouais, je pense. Oh, celui qui a troll là, c'était Nijina ou Amné, enfin oui. Bref, les deux ils sont rang 1, hein, on est bien d'accord. Ils sont rang 1. Non mais, ouais, je sais pas. Ça, par exemple, tu vois, je comprends pas, le mec il troll pour mourir après. C'est clair, c'est clair. Ok, et... tu joues ta game et puis basta, tu ne vas pas troll et... Et le tueur, il avait quoi? Ouais, tous les bons... Ouais, il avait surcharge, c'est ça. Le pudding... Ouais, c'est la pêche du docteur qui est assez chiante. Ouais, moi j'aime bien, je m'en sers en général. Mmh. Ah. Une erreur inconnue s'est produite. Oh putain, ils sont chiants avec ça. En deux games, j'ai pris... Je ne peux plus rien faire, il faut que je redémarre mon jeu. C'est logique. Alors, il y a Nijina qui dit on n'a pas troll et on est sorti. Ben, je sais pas, écoute, apparemment, t'as un peu titillé le tueur, quoi, tu vois. Et bonjour, en fait, oui. Désolé, je t'ai pas dit bonjour, bienvenue. Mais respect du tueur, quoi, t'as vu le pauvre, quoi, le pauvre. Mais de nouveau, il gagne sa game grâce au prêt. Oula, il gagne sa game. Oula, là, je vais parler moi la nuit. Il gagne sa game grâce à son P3, tu vois, de nouveau. Ouais, là, enfin, il gagne sa game. Non, il gagne rien, mais. Elle a quand même fait un kill sur normalement 0. Non, non, on est tous sortis. Ah, on est tous sortis. Ouais. Non, bah ouais, en fait, c'est ça le truc, quoi. Le truc, c'est que, ouais, encore un tueur qui, sur la fin, il se rattrape vite, quoi. Il fait pas grand-chose de la game. Et, donc, tout à l'heure, c'était du Noed. Là, c'est Myers. Bon, il a un peu galéré hein, sur la game, mais bon. C'est pour ça, bah, tranquille, même, avec des tueurs comme ça, quoi. Partie, ouais, deux Myers, c'est un farceur. Tout à l'heure, t'as vu, on a été trop gentil avec lui. C'était l'inverse, quoi. C'était, ah, c'est bon, le pauvre... Et à la fin, il te la met à l'envers, quoi. Il a rien fait de la game tout à l'heure, le farceur, et voilà, quoi. Enfin, bon. Voilà, Nijina Gojo. Bienvenue, en tout cas. Installe-toi. C'est bon, toi, tu t'es reco, là, ou pas? Je me suis reco, là, je me connecte en tant que survivant. Ouais, ok. Quelle heure? Et je suis pas passé argent 3. Ouh. Ça y est? Ou t'es pas passé? Je suis passé. Ok, c'est cool. Let's go. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup pour un mois. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal, je pense. Nijina Gojo, tu pourrais nous dire, tu penses en jouant survivant, quasi que survivant, si tu te débrouilles bien, combien de temps tu peux atteindre le rang 1? Combien de temps ça t'a pris, toi? S'il est toujours là. Ouais. Ou pas. Sans troller, hein, bien sûr. Non, je rigole. Et vous étiez en équipe alors? Donc quoi? Parce qu'il a dit on n'a pas trop. Ouais. Il devait être en équipe, je sais pas. Allez.
En vrai, avec ton pseudo, ça fait un peu une pub, non? Ouais, bah en fait, c'est vrai que c'est souvent... c'est fait exprès, hein. C'est, ça m'a attiré plus de bons contacts, si tu veux, tu vois, que de gars qui sont venus rager, là, tu vois. C'est super rare, quoi, les mecs qui... Maintenant, c'est tellement facile, en rythme. Normal, 5 à 7 jours. Mais sinon, j'ai eu... En 5 à 7 jours non-stop, donc t'as joué 5-7 jours non-stop, t'es passé en... Je l'ai eu en 2 jours avec pas mal de temps de jeu en journée, évidemment. Et ouais, c'est ça. Tu vois? Donc lui, il a joué vraiment non-stop pendant une semaine. Donc tu vois, si ça se trouve, ça va être beaucoup plus rapidement que tu l'imagines. Hein. Je pense. Si tu te démerdes bien après, hein, c'est toujours pareil. Hein, mais... Je sais pas, justement. Parce que des fois, je fais que de la merde et des fois, ça passe. Si tu penses le jeu, ça devrait le faire. Voilà. 5000 points, allez, construire. Après, c'est vrai qu'on est aussi sur une dynamique où, en ce moment, depuis un bon moment, la méta survivant est plus facile que la méta tueur. Hein. Si vous jouez beaucoup, vous allez l'avoir très facilement. Ouais, bah oui, ça c'est clair, comme tous les jeux. Après, moi, perso, je l'ai déjà eu hein, en tant que tueur, mais survivant, c'est pas... C'est pas mon main, mais... C'est bien, je trouve. Moi, tu vois, j'aime bien jouer survivant, là, en stream. Parce que déjà, ça te permet de parler avec le chat. Ça te permet de parler avec tes mates aussi, comme là, avec toi. Alors que quand t'es tueur, t'es obligé d'être focus, quoi, tu vois. Quasiment obligé, quoi. Ouais. Donc, si on joue beaucoup, on peut l'avoir très facilement. Ouais, mais comme tous les jeux, bien sûr. C'est clair. Si tu fasses ta vie sur un jeu, tu le penses, quoi, tu vois. Ouais. Comme ma pote à moi, j'ai même pas attends pour dire le nombre de jeux qu'il a poncé. Je pense qu'il a poncé le nombre de jeux plus que tu peux en imaginer. Ouais, j'imagine. Il y en a comme ça. Je sais pas où il trouve le temps. Hein. Moi, j'aime pas me focus sur un jeu. Si bah ouais, mais après, écoute, c'est qui kiffe ça quoi. Les trophées. Ouais, c'est bon, c'est quoi les trophées? PS4, je pense que tu peux. Parce que ouais. Tu sais. Ouais. Il a 224 trophées platine, 1255 ouais. Or, 3486 argent, non mais 12479 bronze. Il a pas de vie, le mec là. Oh, t'es pas avec moi. T'es où? T'es pas avec moi. Échec en revenant de la partie. Une erreur de l'hôte. N'a pas pu être établi. Essayez à nouveau. C'est pénible ça, c'est pas possible. Ouais, par contre, ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de bugs, je ne comprends pas. Sur les trucs comme ça, ouais, c'est sur les lobbies, c'est pas toujours efficace. C'est peut-être en fait, il n'y en a pas 4, c'est un peu foutu. Des fois, ça bug, des ouais, fois, ça bug ouais, pas. Ouais, c'est ça en fait. Quand t'as une team entière, ça va. Et tu joues à quoi d'autre, Nijina Niji. Je suis quand même content de moi, j'ai passé ma Nia Prestige 1 aujourd'hui. Je suis déjà niveau 18 avec Nia. Non, c'est pas beaucoup ça. Oui, mais un Prestige et 18 quoi, ouais. T'as repris à 0 quoi. Ouais. Après voilà, c'est à toi de voir, mais je pense que le Prestige c'est pas une priorité, mais... Parce que t'as vu, c'est juste des skins, quoi. Ouais, mais après... Après, ça dépend de chacun, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais je sais qu'il y en a, ils avaient un prestige un par un et tout, mais... Tu mets tout le monde niveau 40 et après, tu choisis celui que tu veux prestige et c'est parti, quoi. Mais je pense... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'abord de récupérer un peu les compétences de chacun qui sont importantes. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, je vais les tous les prestiges. Oui, celles qui te plaisent, les plus fortes, tout ça. Après, il y en a deux que je prépare prestige. Parce que mon but, c'est un peu de prestige tout le monde, mais il y en a deux que je prépare pas prestige. Ça me saoule un peu. Qui ça? C'est avec le démon Gorgon. Comme le pack n'est plus obtensible. Ah, tu l'as pas, du coup? Ouais. Non. Et ouais.
De toute façon, ça m'intéresse pas trop ce pack avec Nancy Wheeler. Après, je vais pas me moquer des skins, mais c'est pas le plus beau qu'ils ont fait. Ah non, c'est clair. Après, ils ont Nancy, des Nancy, elle a deux perks à la bouche. Sinon, ouais. Si, elle ça a, va. Elle a deux perks intéressantes, là. Celle où tu marches un peu plus vite et l'autre, là, où tu te soignes dans les casiers, je crois. Ah, putain, je sais plus. Ouais, j'ai vu. Mais bon, ouais. Ah ouais, tu joues Kate. Hein. Je joue que Kate, ouais. Quand on met la survivor, ça, non? Ouais, ouais, c'est clair. Il y a Kate et Feng Min aussi. Tiens, c'est vrai, il faut que je la repasse. Elle est où, elle? Mais c'est vrai que Feng Min et Nea, moi, ça m'intéresse de ouf, ces personnages-là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a Meg aussi. Mais c'est surtout pour les tenues. Ouais, alors moi c'est, ouais, c'est pareil, Kate, c'est juste qu'elle est trop bonasse, quoi, tu vois. C'est tout, c'est juste ça. Mais voilà, les survivants, c'est que des skins en fait. Hein. Ouais. C'est que du skin. Mais comme les tueurs. Non, les tueurs, t'as le son pouvoir à lui qui change pas, quoi. Chaque tueur a un pouvoir qui lui est propre, quoi. Ça change beaucoup quand même, tu vois. Ouais. Ah ouais, le spectre, tu vois, tu peux pas être invisible sur tous les tueurs, il y a que le spectre, quoi, la tronçonneuse, tu vois. Donc ils ont ah tous. Ah oui, là... monsieur Ding Ding. Ouais, casse les bonbons, lui. Je l'appelle comme ça parce que. Sinon, j'ai certains noms que je donne. Ouais, c'est clair. Attends, mon chef, j'appelle Jésus. Jeanne Romero, je sais pas si tu vois, c'est qui. Jeanne Romero, ouais. Ouais. J'aime bien aussi, ouais. Elle est sympa. Ouais. Je l'appelle la. Canyonneuse. Sinon, il y a aussi Quentin ça, Smith, pas mal, ça. L'insomniac, là. De Freddy, ouais. Freddy ? Ah, oui, je crois Freddy. Sinon, ouais, il y a Jill Valentine. C'est là, elle est trop badass. Ouais, j'adore les Resident Evil. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est un peu dommage, ils t'ont pas mis la tenue en policière, tu vois. Avec ouais, le béret et tout. Ça, c'est fort dommage. Où est-ce que je l'ai vu? Non, c'est pas sur ce jeu-là. Ah oui, bah, c'était sur Fortnite. Ils l'ont sorti sur Fortnite aussi. J'ai halluciné tout ce qui oui, tout sort. Oui, sur Fortnite, Rainbow Six. Elle avait le béret. Ah bon, sur R6 aussi? D'accord. Bien sûr. Sur Zofia. En fait, il y a des skins légendaires et... D'accord. En fait, c'est juste pour être plus esthétique. C'est bien que je clique ouais, sur prêt. Ouais, si on n'est pas prêt, hein. Ça va bien lancer. Putain, j'étais là, je suis putain, c'est long, quoi. Mais ouais, c'est un peu long, bah ouais, mec. Allez, je vais mettre debout parce que sinon je vais m'endormir. Pourquoi ? Arrête, hein. T'arrêtes avec les points de chaîne. Mon prochain but, c'est les 5000 k. Les 5000, ouais. Je joue sans mes lunettes pendant 5 minutes. Encore sur DBD, c'est jouable. Mais tu vois, sur Hunt, la visée, c'est mort, si j'ai pas les lunettes. Ah, enfin, je dis merci ça, de ton information. Au moins, je sais sur quel jeu je peux mettre ça. D'accord, ok. Bon, je sais que cette semaine, je vais pas faire de Hunt, alors, dans le planning. Après, ça va, j'ai seulement 1000 trucs. Popcorn. Il en faut 5000, donc ça va. Ouais. Ça va vite, non? Je sais plus. Je sais plus combien j'ai mis... Ça dépend si je te parle, sinon je te parle en message et je gagne plus de points. Par exemple, si j'envoie des messages, par exemple, je sais pas. Vas-y, te gêne pas. Prends des points, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Normalement, ils vont mettre un truc et je vais récupérer par 300 points à 100 points, donc ouais, ça va assez vite. C'est clair. Après, si t'as les abonnements, ça va encore plus vite. Hein. Abonnement niveau 3, ça multiplie les 2 par x2. Ah ouais. Par exemple, si tu gagnes 1000 points, t'en as 2000. Je savais pas que ça jouait sur les points de chaîne, les abos. Les premier cheer du mois, 350 points. Ah ouais, ouh. Premier abo offert du mois, 500 points. Enchaîner les streams jusqu'à 450 points. Ça prend bien beaucoup de temps. Ah, c'est terrible, hein. Je sais pas si maintenant je précise d'abonner à un niveau 2 ou je...
où j'essaie de récupérer drôlement dur, plutôt le dé d'armes. Je sais pas, c'est si tu veux gagner du temps pour avoir tous tes survivants et tout, moi je te conseille de pas prestige tout de suite. Maintenant, après, si vraiment tu tiens parce que t'aimes bien Néa, t'aimes bien son style et que tu veux ses skins là, je comprends aussi. Hein. Mais je pense que je vais faire comme j'ai dit, je peux récupérer les récompenses de tout le monde. Ouais, puis c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Tous niveau 40, et puis je vais prendre un ou deux ou trois. Ouais, ouais. Puis j'ai des prestiges au max. Puis après, je vais prendre aussi comme tous les tueurs, pof. Oh, il y en aura beaucoup plus des tueurs. Oh attends. Après, c'est pareil, hein. Moi, j'avais commencé par les tueurs et tout. Ah, sur le nombre, je sais pas combien sont les tueurs. Et mince, c'est quoi ? Ah, mais t'es pas avec moi encore. Si, ça y est, c'est bon. Il y a 22 survivants. Et 25 ou 26 tueurs, moi ? Non, peut-être pas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 26 survivants. Donc 27, approximativement... Il va y avoir 23 survivants bientôt et 27 tueurs. Va être survivant, ben non. Pourquoi ? Il y en a 22 là, tu me dis. Parce qu'à 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il y a 28 survivants. Ah, donc il va y avoir 29 survivants et 27 tueurs là, cette semaine. D'accord. Il y a deux Steve, précise. Oh my god. Ouais. Le mec, ça l'entourse, il me fait un peu peur. Hein. Ça sent l'équipe, ça. Ça sent le mec qui va vraiment faire chier le tueur. Ouais, c'est clair. Enfin, même pas Maury. Ah non. Ah, ça vaut plus rien, les Maury, là. Avant, les Maury, tu pouvais le faire dès le premier hook. Ah ouais ? Ah ouais, il y a pas longtemps, il y a moins d'un an, là. Donc c'était super toxique de jouer Maury. Là, maintenant, ça mais après, va. Après, comme tu vois, si je joue à Maury, les gens sont un peu plus calmes. Par exemple, si tu dis que, oula, j'arrive pas à parler, moi. Si par exemple, tu jouerais Maury, les gens iraient plus sur les générateurs, tu vois, ça change le gameplay ouais, un peu. Ouais, un peu. Hein. Mais avant, je te dis que, putain, tu faisais gaffe. Hein. T'avais un tueur, tu voyais qu'il y avait un Maury. Ok, d'accord. C'était... Faut pas rigoler avec lui. Ouais, tu te dis, bon, bah, si il me chope, il y a beaucoup plus de jeux sneaky, du coup, du gen rush. Allez, je qu'on joue, là. On je joue dit... pour quand même beaucoup de temps à charger les parties. Ouais. En survivant. En tueur, ça va très très encore vite. Encore celle-là. Encore celle-là. Tu peux déjà bouger, là, toi. Ouais. Ah ouais, c'est nous, l'épidémie. Tu entends les fontaines. Ah ouais, la petite fontaine. Okay, ah ouais, la petite fontaine. Donc là, t'évites de te soigner, en fait. Ouais. Ouais, sinon tu lui donnes un pouvoir de one-shot. Donc il vaut mieux rester intoxiqué, c'est pas grave. Parce que mon pote me dit qu'elle one-shot. Oh putain, je sais vomir à travers la map. Oh. Ah ouais, ils sont moins. Ah ouais... Ok, là t'es toxique, t'es pas... Ça va encore, c'est cool. Ça peut pas très longtemps. Donc là on peut pas te soigner de toute façon, il y a que les fontaines qui... Oh putain, merde. Ah ouais, non mais elle joue, vraiment. Ah ouais, c'est peut-être moi qui suis pas habitué à jouer contre elle. C'est peut-être ouais, pour ça que je n'ai pas aussi l'habitude. C'est pas évident. Non mais... Ah, la skin de passe de combat. Ouh. Bah, de la faille plutôt. Ouais. C'est la passe de combat, moi. Je termine le gène, là, je suis tout au fond, moi. Sur ta droite, tout au fond, à l'étage, c'est moi. Pourquoi ils font aïe, deux totems comme ça, là ? Qu'est-ce que j'ai fait, là, moi ? T'as dû essayer de t'évader, non ? Allez, j'arrive. J'ai pas fait exprès, ouais. L'épidémie à côté de moi, donc, non.
Elle campe ? Oh non, quelqu'un s'est soigné. Quelqu'un s'est soigné, il a le pouvoir, tiens. Pourquoi ? Mais pourquoi ? T'es des ouf, là, c'est bon ? Allez, elle focus de nouveau, salope. Allez, elle focus, n'importe quoi. Bouge pas. C'est la peste, non, l'épidémie. Ouais. Il vient sur nous, vite, 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 vite. Et bon. Go. Allez, voilà, on est intoxiqués tous les deux. Toi, on peut pas te soigner. Moi, on peut encore. Je pense que tu peux t'auto-soigner. Ah non, moi, je peux même pas me soigner. Tu vois ? Non. Voilà, c'est des grosses pizzas. Tu peux me soigner, toi, ou pas ? Non, je crois pas. Ah, ça, je vais voir. Non. Ok. On reste comme ça, il vaut mieux. Ah, ok. Et on risque pas d'être KO avec ça ? Non. Et maintenant, je bénis la fontaine, qu'est-ce qui arrive en fait. C'est ça, ça va créer une fontaine où elle va pouvoir venir chercher son pouvoir de one-shot, en fait. C'est à cause des fontaines. Et c'est pas bon, ça. Ah non. Ah ouais, mais je vomis. Oh, la pauvre. Ouais, c'est pas grave de vomir, t'inquiète. Bon, ça y est. Mais elle nous a de loin, alors. Je ne peux plus être soigné. Oui, elle peut avoir de loin. Tu es mort. Il y en a un coup, tu vois. Ouais, ouais. Je vais essayer de faire celui-là. Putain, c'est toi encore qui... C'est quand même un bon perso, ça. Ah, c'est encore moi, ouais. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, j'aime bien la jouer, ouais. C'est sûr que c'est un perso, en fait. Tu dois avoir du shoot avec ton ami, sinon c'est de la merde. Quand c'est dans les fontaines. Donc là, techniquement, elle peut encore avoir la one shot. Y'a pas me libérer, y'a pas me libérer, y'a derrière toi. Elle est où ? Ah ouais ? Ah ouais. Ouais, elle est derrière moi. Après, elle focus pas, mais... Et là, tu tombes dessus pour tomber dessus et tu tapes. Est-ce que avec les totems, tu peux te soigner ? Avec les totems, tu peux te soigner, peut-être. Je sais pas. Ça, c'est nouveau, donc... Non, ça a été pensé exprès pour. Merde. Après, j'ai pas envie de donner son pouvoir, mais... Ça me saoule un peu d'être malade comme ça. Ouais, mais ça te change pas grand chose, quoi, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut continuer à t'envoyer son vomi. T'as remarqué, c'est difficile pour elle de donner des coups avec son arme. Son vomi, par contre, ça l'aide vachement. Mais là, elle peut t'en donner, tu t'en fous, t'es déjà un tox. T'es accroché où, toi ? Ouais. Ah, t'es là, ok, pardon. Par contre, les deux, là, ils s'occupent que des gènes, quoi. Ils bougent pas leurs fesses, quoi. Attention, elle arrive sur la save. Elle me chope, je suis mort, hein, au cas où. Ouais, bah, c'est le jeu. Ah je non, j'ai évité le coup, ça me saoule. En fait, ce qui me gêne, c'est la fumée de son bazar. Ça me désoriente. Ah, ouais. Après, j'avoue, je suis nul, donc c'était normal que je suis mort, mais ça me gêne vraiment. Ah mince, d'accord, t'es déjà... Ok. Putain, je tombe sur elle. Oh la vache. Ah, mais viens claquer la palette, toi. Mais c'est pas possible. Le Steve, là, ils font quoi, là? C'est pour leur gueule, quoi. Ah ouais, mais la meuf, elle est irisée. Oh. Après, je sais que le gras veut rien dire, mais tueur irisé, il faut être fort, non ? Tueur irisé, c'est-à-dire ?
Bah, il est risé 4. Donc, il faut être assez fort, non? Ouais. Quand même. Tu bénis le totem. Ouais, c'est ça. Je voulais tester aussi, voir. Ok. Allez, désolé, mais je vais te... Là, il va être dégoûté, le mec, parce que... J'arrive, je pourris de son gène, et du coup, lui aussi, il est intoxiqué. Et tu vois, normalement, il va pas se soigner, j'espère pas, quoi. Si, il va se soigner, t'inquiète. Ok, super, les gars. Pourquoi il se soigne, en fait? Je sais pas. C'est nul, parce que du coup, tu lui donnes l'occasion de one-shot, quoi, mais bon. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas du tout où elle est, ça j'aime pas. Ne pas savoir. Elle est dans le bâtiment, ok. Il se re-soigne l'autre, donc elle a encore ce pouvoir. Putain, mais... Elle est là. Et non. Ma brain. Là. Et ouais, j'ai pas eu le temps d'aller prendre la palette. Bien joué, meuf. Une classe en skin. Le papillon. Ça se voit qu'elle sait jouer. Ouais, apparemment, pour avoir le skin. Non, le skin, ouais, c'est juste le pas de combat. On va voir, mais la façon dont elle joue. Ah ouais, ça y est, c'est vrai. Je suis là. Tu me dis Iris et 4, c'est ça? Ouais, donc c'est bien déjà. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait là? Comment c'est ça qu'il s'est soigné automatiquement du poison qu'elle avait? J'ai hâte de voir comment vont faire pour gagner. Est-ce qu'on a perdu? Allô? Oui, tu m'entends? Allô, oui, allô? Ouais. Oui, j'avais oublié de mute. Non, non, il loupe bien, les gars. Il loupe bien. Tu vois, l'autre, il a eu le temps de... Même pas. Ah, il va le chercher direct. Ouais, c'est une team, ça. Ok, il se met dans l'herbe. Il a la flashlight, ok. Donc, tu vas voir. La technique pour la flashlight, je sais pas si tu la connais. Il va se mettre à croupir. Ouais, tu vois. Il faut que t'aies la tête du tueur au niveau de ton épaule quand t'es accroupi. Au moment où elle soulève le survivant. Il la joue sneaky. Et ça marche. Et les autres sont classés quoi.
Ah, j'ai quand même un bon level pour ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas resté dès le début sur son gène là? Il aurait été tranquille. C'est quoi ces paires qu'ils ont, je connais pas. Lui, je connais. Et il va s'en sortir. Hein. Ils ont souplesse, ils ont. Mais ils s'en sortent, quoi. Non. Elle t'a vu. Erra. Erra. Oui, oui. C'est dommage, il n'y avait pas parlé de ça. Elle a compris qu'il fallait pas slug, il valait mieux l'accrocher parce que... Est-ce qu'elle sait où il est, l'autre? Oh putain, le one shot. C'est parti. T'as vu, ils jouent tous les deux, là, maintenant. Depuis qu'ils jouent tous les deux, ils se soignent pas, hein. Alors, si soit c'est pour nous faire chier, nous. Tchèh. Et se dire, bah tiens, on va se soigner, comme ça, les autres, ils vont se faire ken. Je sais pas. Là, ils se soignent pas une seule fois, tous les deux. Si. Ils ont continué. Alors qu'ils étaient encore tous les deux ? Oui, c'est... D'accord. Ouais. Alors, je suis mauvaise langue. Je suis d'accord. Ouais, je sais pas. C'est dommage, quand je pensais qu'ils allaient bien s'en sortir, la façon dont il est allé le soigner. Alors, du coup... Ce que j'ai compris, c'est... C'est qu'il n'a pas fini le générateur, tu vois. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'il voulait tenter la flash save. Et il a vu qu'elle sluguait et c'est dommage parce qu'il aurait pu finir le gène, quoi. C'était Mais elle a tout ce qu'il fallait pour commencer. Commencer la partie avec Abassa de dévotion. Chili barbecue, coulro, thanatophobie, gardons le meilleur pour la fin. Augmente le taux d'affection des objets, ouais. Ouais. Il y a de quoi faire là. Et eux, ils sont. Pour la fête. Or. Tétanophobie, colorphobie, chili barbecue. Donc elle avait tout pour nous repérer. Ouais. Et à la fin, tu vois, c'est ce qui a fait perdre. C'est qu'elle savait où il était l'autre, je pense. Il était à la bonne distance, je pense. Bon. Allez, on est reparti. 971 000. Allez, ça devrait être bon. Je n'ai toujours pas de perk violette. Ça commence un peu à me saouler. Ah ouais? C'est comme j'ai recommencé les prestiges, ouais. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois, ça aussi, c'est un handicap. Quand tu prestiges. C'est que tu recommences, donc t'as les petites toiles, quoi. Après, à partir du 20 ou 30, ça commence à devenir un peu plus grand. 40, tu commences à avoir 2 ou 3 ou 4 perks par toile. Non, je crois que c'est 4 perks après le niveau 50. Ouais.
L'épidémie. Ouais, non, elle est bien. Elle est bien, l'épidémie à jouer. Mais en fait, tous les tueurs sont ouf. Hein. C'est juste si tu le penses ou pas, quoi. Je vois tous les streamers, ils disent « Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Il y a quand même une unanimité qui dit que la Spirit... beaucoup de gens disent que c'est l'une des plus fortes. Moi, j'ai pas trop de mal avec contre la Spirit. Le plus de mal que j'ai, c'est contre les Myers, les Spectres, les Ghostface, tous ceux qui sont sneaky, quoi. Mais voilà, après, moi j'aimerais, c'est savoir jouer la Nurse. La Nurse à jouer, c'est quand tu la maîtrises, c'est tellement compliqué à jouer, mais tellement efficace quand tu y arrives. Oh, je crois qu'un jour, je vais faire que de la Nurse. J'avais commencé un petit peu il n'y a pas longtemps, là. Mais vraiment, c'est à faire. Mais c'est très, pas très les personnages les plus compliqués du jeu, ça? Ah si. Vraiment, essaye là, tu vas voir, tu vas dire « Wow, d'accord. » Par contre, regarde quelqu'un qui... J'ai déjà testé, mais en vrai... Je veux pas dire que je suis fort avec, mais ça va. Écoute, tu vois. Hein. Si tu arrives, tant mieux. Ça veut dire que tu as un bon feeling avec, mais elle n'est pas évidente à jouer. Le nombre de TP, la distance de TP... enfin, c'est... C'est ouf, quoi. Mais sur PC, normalement, il y a aussi un avantage. Quand tu TP, tu vois normalement le marquage. Non, ça, c'est un add-on, ça. Tu peux l'avoir aussi sur PS4. Ah, ok. Non, je pensais que c'était sur juste sur PC. Non. Ah non, sinon, ce serait abusé, quoi. Non, je ne sais plus ce que c'est, mais tu peux voir. Au début, c'est intéressant d'avoir ça, justement, pour te dire « Ah, ok, ça va jusque-là, il y a la première TP. » Il faut savoir, sur les maps, il y a certains objets à travers lesquels tu passes pas, des rochers, des... C'est ouf, des fois tu pètes un câble, tu te dis « Putain, mais là je passe pas, et là je passe, oh là là. » Ce qui est bien, c'est le pouvoir, c'est quand tu... Il y a la cave, tu peux directement te TP en bas, ça c'est bien. C'est clair. T'as des petits couillons aussi qui s'amusent à se TP derrière les portes de sortie. Ils se mettent insidieux, c'est-à-dire pendant 4 secondes, s'ils bougent pas, ils sont indétectables, donc ils ont pas de rayon de terreur. Ils se mettent no head, et pour certains, ils vont mettre gardien de sang, là, qui bloque les portes à la fin, tu vois. Et ils se font plaisir. Ah ouais, non, t'as des comportements, des fois, si tu vois pas le tueur sur la map, c'est certainement... Soit une Nurse, soit un Spectre qui s'est mis en insidieux. Ou un autre tueur qui s'est mis en insidieux, mais il est bien planqué, quoi, tu vois. Et la dernière fois, on était tombé contre un Spectre qui était AFK toute la partie, juste à la fin. Ouais, c'est ça. Il n'était pas du tout, en fait. Si, il était AFK. Mais sauf que j'ai fait un générateur, puis il y avait un mur invisible qui me bloquait. J'étais bloqué avec le générateur. C'était lui. Et donc lui m'a apparu, m'a mis un coup, puis l'entité m'a tué. Ouais. Non, le gars était pas AFK, je te confirme. Le gars était derrière son PC, a pas bougé, quoi. Tu vois. Moi, ça m'a fait ça sur une game. Ça t'arrive une fois, tu comprends le truc. C'était un piégeur au milieu de la map, il se pose, il bouge plus. Ah ben si, il bougeait. Là. Ah ouais. Non, nous... il bougeait pas, il était AFK, mais on entendait quand même son rayon de terreur. Hein. Ouais, c'est ça, pareil. Hein. Il se met au milieu de la map, il bouge pas. Et puis nous, on se dit, putain, mais il est où, quoi? Donc, chaque survivant, on va voir, on s'approche, on voit qu'il réagit pas, on fait les générateurs. Dernier générateur fait, avant d'ouvrir les portes, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on se connaissait pas, hein, les quatre. On va vers lui, on se met accroupi, et on fait la ronde autour de lui. Il a attendu qu'il y ait les quatre autour de lui. Il a fait bra, 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 bra. Les quatre, on est restés là. Je sais, ouah, l'enfoiré, il était derrière son écran, en fait, depuis le début. Game gagné. Il a dû jubiler, le gars, derrière son écran. Il a dû se dire, putain, je les ai eus, quoi. Ça a marché. Il y a des gens qui se croient forts en faisant ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, je sais toujours pas c'est quel tueur, ça. Chasseuse. T'entends, là. Ah ouais. La berceuse.
Allez, on va protéger la petite Meg. Non, non, mais qu'elle est con, mais c'est pas possible d'être bête comme ça. C'est pour pas qu'elle prenne le coup. C'est terrible d'être teubé comme ça. Non, tu m'auras pas. Non. Non. Non, non. Non. Hop là. Oh si, tu m'as eu. Putain, t'es balèze, toi. Non, je vais sauter. Non, faut pas que je saute, en fait. Est-ce qu'il va sur le crochet en premier? Ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle a... C'est qu'elle a désorti la palette alors qu'il y avait personne, tu vois. Ah ouais? C'est débile, et je suis en train de la couvrir. Elle trace, et puis... à la limite, c'est à moi de baisser la palette. Ah merde. En fait, limite, je suis mort, là. Mais... Ah putain, je peux plus avancer. Oh non, j'étais bloqué par elle. Grosse ouais. Femme, là. Pardon. Sérieux? La... c'est qui? C'est... C'est la Kate? Meg? Putain, elle est casse-bonbon, elle. Ah non, c'est Fang Min qui est déguisée en je sais pas quoi, là. La brune, là. Oh, ça me saoule, non. C'est mal joué. Tu vois, quand j'ai voulu passer derrière elle, elle m'avait bloqué, donc j'étais bloqué contre elle. C'est pénible, ça. Il y en a des fois, il faut qu'il laisse faire, quoi, qu'il se barre, parce que... Faut vraiment y aller quand tu vois que l'autre a pris un coup, et qu'il galère, tu te mets en protection, quoi, mais... Allez, j'arrive. Ok. Est-ce que je passe en P2? Non. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es passé en P2? Non, non. Ah bon. J'ai fait... Oh. Elle arrive. Je vais avoir le temps ou pas? Bon, elle ne voit pas. J'allais te faire un QTE loupé. Bon, elle est dans la baraque là. Un petit gemme dans le coin ou pas là? Ici. Vas-y. Derrière toi. Commence. J'arrive à table. Mince, j'ai oublié de mettre mon défi encore, putain. Ah, d'ailleurs, en bas, défi, moi j'ai oublié d'aller récupérer mes poèmes. Ah, il y a la ruine ou pas? Attends. Vas-y, arrête. Arrête le gel. Ouais, il y a la ruine. Merde. Continue, je vais chercher la ruine. Et j'ai que les 300 poèmes, moi. Ouh. C'est bon, ça. Ça rentre, ça va vite, ça. Ah ouais, voilà, 50 points. Donc je ne loupe pas, ça ne dérange pas, moi. Ouais, c'est surtout ça. Allez, où, ça? Tu as trouvé? Non. Je me demande si j'ai pas vu un totem dans le bâtiment central. Allez, je vais aller voir. Putain, merde. Je stresse toujours quand c'est un tueur. Attends, je vais venir prendre la suite si tu veux. Elle est sur moi. Non, elle me lâche. En tout cas, tu l'as perdue. Elle t'a lâché, je crois, non? Vas-y, passe. C'est bon. Oh putain, je sais que t'allais me bloquer. Non. Je m'étais mis sur le côté.
Faut pas que je saute, je le sais, putain, à l'atterrissage, tu te fais allumer à chaque fois, il faut avoir, je sais plus comment elle s'appelle, la perte, là. Atterrissage équilibré. C'est ça. Le totem n'est pas en haut. Ouais, je sais pas où il est. Aïe. Oh non. Là j'ai mal joué, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai été directement sur elle. Je me demande ce qui m'est passé par la tête. Ça arrive des fois, je cherche pas à comprendre. On fait des bousasses. Putain, elle m'a envoyé une hache juste à côté de moi, je suis à 10 km d'elle. Elle a tenté de sa chance. MDR. Quoi? Mais j'ai loupé mon test d'habilité. Aïe. Allez. Allez, de nouveau moi, c'est n'importe quoi. Oh putain. Mais elle est où cette ruine? What the fuck? Il faut qu'elle aille... C'est toi qu'elle prend ou c'est l'autre? L'autre. Ah. Essaye de récupérer, j'arrive. Un max. J'ai une qui m'aide là, donc ça va. Peut-être moyen. C'est bon? Yes, c'est bon. C'est bon, elle est sur moi, je vais mourir. Je vais mourir. Sauf si je passe ici. Ici. Voilà. La palette. Elle m'a perdu. Tant mieux. Elle recharge ses haches. Si je me soigne, je vais sur toi. Je prends l'étage. Non, je vais passer par là. Voilà. Ah oui, j'ai souple, c'est vrai. J'ai pris la distance, je l'éloigne. On va tenter, non? Loupé. Petite palette de la mort qui tue. Non. Non. Et où ma beauté? Elle se barre. Oh! J'ai réussi à l'user. Content. Mais content. Elle est sur Fangmin. Allez, je me suis soigné. Ah mais je n'ai pas vu le totem, hein. On est bien d'accord. Hein. Je cherche moi aussi, mais non, je le vois dans pas. Dans la cabane, peut-être. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Si c'est ruine. Ouais. Un gemme pour vérifier, il doit y en avoir par là. Quand on cherche, il y en a. Tu n'en trouves pas. Fais voir. Il n'y a plus la ruine, c'est bon. Bon, c'est à Fangmin hein, d'aller des hooks là. Je suis désolé, mais il faut qu'elle se bouge. Hein. Est-ce qu'il y a un gène, Nathan? Non, j'en trouve pas. Et toi? Je suis sur un gène, là. À la moitié. Je trouve pas gène. Sur... Aïe. Là, il va falloir aller la chercher. Là. Peut-être là.
Je vais y aller puisque c'est toi l'obsession. Je finis le gène et j'y vais. Elle vient vers moi. Je sais pas où aller. Je suis à côté de toi. On a lâché l'affaire. Allez, go, j'y vais. Il y en a un juste là, Jen, là où je suis, là. Je sais pas où elle est. Ah, elle est des hooks. Mais go, on continue, alors. Putain, je lui passe juste à côté. Allez, viens, on va dans la cabane. Viens dans la cabane avec moi. Allez, viens. Eh non. J'ai souple. Et tu vas me lâcher. Dès que t'as souple, toi, tu lâches. Ok, d'accord. T'es une chasseuse. C'est deux générateurs. Ok. Elle est sur moi encore. Hop, je la fais tourner. J'espère. Hop là. Ouh, c'est passé. Je sais pas comment, mais c'est passé. Si tu casses pas les palettes, moi j'y vais, meuf. Hein. On a Brain. Ouais. Bien joué. Allez, il reste un gène. Il est pour vous. Faites-le. Je suis mort. Alors, que je te donne mes infos, vite, 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 vite. Allez, ouais, sacrifier. Hop, fermé, mode spectateur. Alors. Pangmin est à l'étage. Elle est dans la maison avec Fangmin. Tu peux faire ce que t'as à faire. On va éviter, c'est bon. Et Meg, elle fait quoi parcourir là ? Allez, c'est toi le sauveur. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oh non, elle est tout près, elle est tout près, attends. Ah bon ? Oh, elle est là. Ah, oh, mais c'est bon. Non, elle est très loin. Tu peux y aller. Il y a un mec qui est à côté du hook. T'inquiète pas. Par contre, je sais pas où est la chasseuse, là. Fais gaffe. Elle doit venir vers toi, je pense. Non. Ouais. Exactement. Non, elle vient sur le générateur. Fais gaffe. T'es très bien placé, là. Elle recharge. Tu es très bien placé. Parfait. C'est parfait. Elle se barre. Elle est AFK ou quoi, Fangmin? Elle fait quoi, là? Putain, entre une qui bouge pas, l'autre qui court partout, t'es pas aidé, là. Hein. Oh, purée, elle a tapé le générateur, ça l'a fait régresser de ouf. Ah, bah voilà, quand même. Elle n'a pas prophylaxie, c'est pas possible, mais... Oh putain... C'est elle qui a raté le QTE ? Donc ouais. C'est elle qui rate, c'est moi qui prends la hache, tu m'expliques ça ? Oh putain... Elle le fait exprès ou quoi ? Très bien joué, vas-y. Parfait. Ouh ! Merde. Non, non, pas... Non, j'ai... Ouais. Ma sorcière n'est pas assez haute, ça je le remarque même tout seul. Bon. Résumé de l'histoire. Une Fangmin, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, la Meg, elle est venue m'aider à toute l'affaire. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien, Cathy, là. Putain.
Aïe. Oh, le générateur a resté de ouf. Ah ouais, ouais, elle envoie du lourd. Après, l'autre, ça va, elle le gère, l'autre, en haut, mais... Mais si l'autre vient, qu'est-ce qu'elle réussisse ? Ouais, 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 ouais. Surtout que là, elle sait que c'est le générateur d'en haut. Dommage, t'aurais dû attendre avant de le finir. Allez, hein, faut y aller, là. Si elle slug, t'es morte. T'es morte. Voilà, de pas se soigner. Voilà. Oh, l'autre, elle s'est levée. Ouais. Elle a indéfectible et elle va ouvrir la porte. Non. Elle va pas s'en sortir. Elle a rien foutu de la game et elle va sortir. Ah non. Tu veux que je te dise, moi. Elle sort, hein. 100%. Voilà. Donc c'est ceux qui foutent rien. Ah ouais, sortent. Non, mais là, elle, à part te foutre dans la merde avec le QTE loupé, là, courir dans tous les sens, et elle est numéro 1. Parfaite occasion, adrénaline. Chili, barbecue, murmure amer, ruine, le tour est joué. Ouais, tout ce et qu'il elle, faut. Drôlement dur, réserve, je adrénaline. Joue 3 percs... du tueur. Parfaite occasion. Voilà. Laisse-moi deviner. Chili barbecue. Ouais. Queen. Ouais. Le tour est joué. Ouais, c'est ça. C'est et top. Et la quatrième que tu joues, c'est... Ouais. Attends, tu l'as dit tout à l'heure? Non, je l'ai pas dit tout à l'heure. Non ? Attends, j'hésite aux 3 compétences. Celle du mec qui peut bloquer les portes, là, tu vois ? Non. Gardien de sang, là ? Le boucher sadique, ouais. Non. Non, je pense que tu trouveras pas. Okay. Et... Attends. La dernière. Je quitte le groupe 2 secondes, hein. Je vais faire la toile de tueur en attendant. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis 1 000 000, c'est pour ça. T'as 1 000 000? Oh, GG. Ah, et Nas, ton live, GG. Montagnard. La tête qu'il a, quoi. Effectivement. Alors, quel perk tu penses? Attends, tu me laisses vite aller dans... Ouais, vas-y, vas-y. J'ai le temps de faire le descendre à 900 000, un truc comme ça. Parfait. Je pense que c'est pas une paire qu'on voit très souvent, si tu me dis qu'on ne trouve pas. Ouais, c'est pas non plus une paire que rare. Hein. Résistance à la lumière. Non. Moi, je trouve que cette paire, qu'elle te donne plein d'informations très rapidement sur la map. De où sont les quand ils se soignent, bien non. Non, non, quand il se déplace. Allez, je vais fermer la page. C'est Ami de l'ombre, je crois. Ça s'appelle, attends. Ah, ouais, celle-là. Les corbeaux. Ah ouais, tu parles avec les corbeaux. Ah ouais. Dès qu'un survivant s'envoler un corbeau, t'as une information. T'as un truc comme s'il ratait un QTE. D'ailleurs, je veux rire, mais je la joue aussi. Oh, il y a la Huntress qui est venue sur le chat. Hello, Nico Marcus. GG. GG, GG. Ouais, elle a bien joué. Elle a pas été... Attends que je me souvienne...
La focus, non. Non, elle était correcte, hein. Non, elle a pas focus, à part que quand je me relevais à peine, elle me donnait encore un petit coup pour que je m'en redorme. Sinon, ah ouais, j'ai pas vu d'autres trucs trop. GG the Huntress. Nice job. Another time, I'm killed the first. That's how it is. Welcome, welcome, welcome. Please sit down. Follow. Bah, voici la dernière. Hop. Je suis dead de chez dead. Ouais. Ouais, putain. Dire que j'aurais pu jouer toute la journée, j'aurais trop kiffé. Merci pour le follow. Thank you for following. Thank you very much, Nico Marcus. Long time no interest. That hatches what not so good. Il dit, ça fait pas longtemps, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. CH était pas très bonne. Ça va. Ouais, c'était moyen, c'est vrai, c'est vrai. Ok, it's better than me, in fact. Well done, well done. And if it makes long time you don't play Huntress, I understand now. It's okay, you kill everyone. But I don't understand why Fengmin don't heal her and Meg bring a lot of ruckus by just running, making wrong QTE, je sais plus comment on dit en anglais, quick time event on the gens. It was difficult to play with her. Putain, je suis éclaté là. Ça veut dire quoi encore quand ils ont les couronnes autour de leur pseudo? C'est que ils ont débloqué, ça c'est des c'était pour les anniversaires des 5 ans, tu vois, c'est ça. Ça c'est la couronne des 5 ans, celle qui a à l'intérieur une petite couronne, tu vois, il y a plusieurs traits. Et s'il y a que un tour, que c'est un truc que tu gagnais pour les 4 ans de DBD. Ah non, moi je te parle sur Twitch. Ah pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave, ça, Pause m'avait déjà expliqué. Sur Twitch, la couronne, oh, c'est parce que... C'est ils ont un Prime, un subprime, tu sais, avec Prime Vidéo, Amazon Prime. Ah, ok, ouais. Ils ont sub une chaîne, pas la mienne. Hein. Hein, quoi? C'est rare la couronne? Non, moi je l'ai. C'est quand t'es, tu sais, quand tu t'es abonné à Amazon Prime pour avoir les livraisons plus rapides, les meilleurs prix sur Amazon, tu vois. Je crois que c'est ça. Ah, c'est juste pour ça, ok. Et donc, t'as le droit, si t'as ça, toi ou tes parents, t'as le droit à un sub par mois à qui tu veux, à n'importe quel streamer. Tu vois ? Ah ouais. Gratos, quoi. Le tier 1. Et donc, la couronne de DBD, elle est rare, bien non ? Celle que t'avais là ? Rare, ça peut, oui, parce qu'elle reviendra pas en fait. Si tu veux, elle revient que une fois par an et bon, elle se ressemble un peu. Hein, 4 et 5 ans, ils ont pas fait de grande différence. Le 4 ans, je l'avais sur la PS4 et 5 ans sur PC, c'est les mêmes choses quoi. Mais si tu veux ça, tu mets ça en game, tout le monde te voit quoi. Tu vois, le tueur il dit oh, une petite couronne qui dépasse là-bas, allez hop, ça a rien à voir quoi, tu vois. C'est comme voilà, par tu vois, tueur, voilà, je peux la mettre. Non, ça dépend si tu veux pas te faire voir. C'est pareil, hein. Pour le tueur, le sujet est le même, en fait. Hein. Est-ce que tu veux qu'on te voit de loin ou pas? Tu vois, moi, c'est vrai que Kate, là, elle est vachement visible parce qu'elle a la peau claire. Elodie, là, c'est bon, tu la vois à 36 km, là, habillée en vert comme ça. Toi, ça va, c'est nickel. Et toi, alors? Ah non, là, moi, je suis assez visible, mais je suis moins visible que celles qui ont les cheveux roses ou violets ou vert fluo, là, tu sais, là. Les Néa, les Feng, les Yui, c'est bon. Quand t'es tueur, tu dis, ah tiens, là-bas, c'est une tête rose. Allez, hop. Le mieux, c'est d'avoir des vêtements sombres et t'es
ça t'aide vachement quand même, quoi. Parce que t'as plein de maps où tu peux te camoufler dans les herbes, quoi, tu vois. Mm-hmm. Claudette, comme elle est black, c'est bon, t'es tranquille. Je sais plus, l'inspecteur tape, tout ça aussi, c'est assez pratique, quoi. Donc c'est pour ça, des skins, même Jake avec sa grosse beubare brune, là, c'est assez pratique, quoi. C'est pour ça, des fois, des skins, tu dis, ouais, il est chouette, celui-là, ouais, mais... On va te voir à 100 mètres, quoi. Allez, la petite dernière. On est parti. Moi, je dis, j'aimerais bien finir sur... Comme le skin de Néa, ta gueule. Ouais, c'est clair. Ah, il est chouette, hein, mais il est flashy, quoi. Alors, sur la map où il y a la neige, ça va, t'es tranquille, quoi. Ah ouais, c'est ma map. Ouais, la prochaine map, là, ça va être dans du désert, un truc comme ça. Dans un cimetière, un peu clair aussi. J'espère qu'on tombe sur Farmer pour une fois, parce que Farmer un peu, ça fait pas trop mal. Ah, mais moi, je crois que j'en vois très rarement des Farmers. Ou alors, c'est quand ils se font rouler dessus, quoi, tu vois. Ok, moi, je suis à côté d'un générateur avec l'autre Kate. On est parti. Avec Elodie, donc tu dois pas être loin, toi. On doit être tous les quatre ensemble, je pense. Et générateur, c'est dans laquelle ? Comment te dire ? Il est où, générateur ? Tu vois le spot où il y a les murs en pierre, là ? Oh, c'est le spectre ! Okay, super ! Super pour terminer la soirée, le spectre ! Le ding-ding ! Ok, il est camouflé dans le champ de maïs. Ah, je te vois. Sur celui-là. Je te okay. vois, ouais. Voilà, tu vois la petite cabane, hein, je te vois arriver. Il est sur nous, il nous regarde. Là, le chili barbecue, fait plaisir, c'est celui-là. Ouais, on est proche, là. Donc, il nous verra pas. Mais il sait qu'on est dans le coin, quoi. Voilà, là, il s'est caché. Il est là, il m'a vu. Je vais dans le champ, vers la grande cabane, et il me lâche. Ok, bon, je vais sur un gène, je suppose que vous allez pouvoir la hook, des hooks, non ? Non, il est sur le hook. J'y vais. Il m'a vu. Allez, je retourne dans le champ de maïs. Viens, on va faire du popcorn. Viens avec moi. Oh. Allez, viens. Ah merde, il y a quelqu'un qui faisait le chien. Ouais, j'ai entendu. C'est toi qui étais dans la grange, là. Ouais. Ok, désolé. Je te l'ai amené, mais il est sur moi. Après, je bug énormément. Je sais pas c'est okay. quoi. Ok. Ah, il m'a bloqué le chemin, la palette. Il a très bien joué. Qui est-ce qui va être... Ah non, je suis pas le premier. Donc, c'est bon. J'ai sauvé le maire. Bonjour sur toi, là. Hein? Bonjour sur toi. Non, je pense qu'il campe pas, il est parti, je pense. Ouais, il est pas du genre à camper. On va se faire une gêne juste à côté, après. C'est un gène de bord de map. Stratégiquement, il y a quand même un intérêt de faire d'abord les générateurs en extérieur de la map pour qu'à la fin, les trois derniers générateurs... au contraire, de faire au centre, d'éclater, de faire de l'espace pour que les trois générateurs à la fin soient les plus espacés les uns des autres, quoi, tu vois. Allez, on bouge, c'est pas grave. Au moins, ça va l'attirer. Putain, il a la ruine, c'est vrai. Je saute au totem de feu. Sur le totem de feu, je suis en train de le détruire. Il y a un truc derrière. Hop là. Et il n'y a plus ruin. Parfait. Bien joué. Et sur moi.
être content. Il m'a abandonné ? Il m'a abandonné ? Trois heures pour passer ? Non mais c'est pas vrai ! Non, alors là, je suis un idiot de chez de bien jouer. Ok, il part sur toi. Non, il est parti sur le gène. Attention. Ouais, il vient sur moi, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Attention, il revient sur le gène. Ok, donc il sait que t'es là puisqu'il y a des dégâts. Attention, garde-toi. Il a mis la clochette. On est bon. Il revient, non? Ouais, oh putain, il vient pas sur la save comme ça, mec. Okay. Ah ouais, mais il me donne des coups de turfu, lui. Oh. Ouais. Putain, il me suit, hein. Il vient à peine de faire ding-ding. Ça, c'est bon à savoir. En fait, il me coud du turfu. Oh non, j'ai mal joué. T'as chopé ? Je suis passé par la... Bah oui, je suis passé par la... Grave, ouais. Je suis passé par la fenêtre qui m'a chopé. Ah là là. Je sais pas qu'est-ce que la Claudette, elle fait ou je sais pas quoi, mais... Non, c'est pas... C'est qui ? C'est une Kate. Celle qui est avec moi là, à non, côté, c'est là. Seydou Warren là. Seydou Warren, c'est, il s'est caché dans un casier. Elodie. Mais parce qu'il pense qu'il y a Chili Barbuck, je pense. Attends, je vais attendre un peu avant de te déhook, qu'il s'en aille parce que là, il revient trop là. Ok, bien sûr. Sur... Ah merde! C'est bon. Il faudrait que je te remette Borotime en fait. Allez, il vient sur moi. Non, putain. Il revient. Non, mais c'est allez, c'est chier, là. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un russe. Ouais. Ah putain. Oui, mais si, il m'a cassé le crochet. Yes. Allez, 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 allez. Ça, ça rend fou. Allez, non, 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 non. Non. Ah, un poil de cul, un poil de cul. Ah putain. Ça, ça me saoule les gens qui tunnelent comme ça. Hein. Ouais, c'est pénible. En fait, ça, tu sais, si tu t'es chopé une fois, c'est foutu, quoi. Ouais, c'est clair. Après, et après, faire, après tu vois, qui va en tant que tueur, tu vas dire putain, ça fait chier, les survivants ils font que du gen rush. Bah ouais, s'il y a des mecs qui te chopent une fois et après c'est mort, ah, il est juste sur moi, je peux pas venir, je l'entends respirer. T'as vu comment il me cope ? T'as vu comment il me cope ? Ouais. je l'entendais respirer, il est là, il est sur moi. Après, ça va partir sur un petit signalement. Même si... Non okay. Mais ça me saoule, ça fait déjà la... Il me campe. Oh. Il abuse, mec. Il reste devant moi pour ça que je le vois pas. Il est pas invisible au bout, hein. On le voit quand même. Il bouge pas pendant... Non, il ne le fait pas. Voilà, tu vois, il était juste à côté. Ouais, j'avais pas vu. Allez vite, quitte cette cinématique, je m'en fous, je suis téléporté là. Loupé mec, eh ouais, ah. Mais. Faut apprendre à te servir de ton. Et moi j'ai souple donc. Ça doit le rendre fou ça. Attends, j'ai hâte de voir c'est quoi. Le mec il est argent 3, il continue à tunnel. Tu m... Argent j'sais 3, pas, ouais. Le monde est. Le monde ouais. Est bizarre. Mmh. Ok, il est sur moi. Non, tu m'auras pas, mec. Il joue même pas bien, son tueur, hein. C'est juste de la chatte qu'il a. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Il joue juste sur le principe qu'il va avoir. Tu sais, le petit moment où il accélère, là, quand il disparaît. Là, je suis sur le petit spot, là, qu'ils aiment bien, les tueurs, là. Allez, viens. Viens, je vais te garder un petit moment, là, tu vois.
Non, en fait. Mais ouais, je suis bidon. Ouais, t'as loupé le truc. Ouais. T'as versé avec les deux. Ouais. Ça m'arrive aussi de faire ça. Je sais qu'il est bien, hein, ce spot, là. Quand je suis un tueur, il y en a, ils me tiennent un bon moment, là. Bon! Ah, d'ailleurs, tu me fais penser, quand t'es mort, au petit signalement. Au quoi? Non, mais t'inquiète. Petit signalement, oui, c'est vrai. Petit signalement non. Des familles. Bim, bam, bim, bam, boum. Alors, abus de jeu au tunnel. Rapport de ce joueur en mécanisme de jeu en nuisant sa partie. Hop. T'as de la chance de pas te signaler une deuxième fois, toi. T'as de la chance. Attends, je vais aller voir sur son profil si c'est en russe. Pourquoi tu pensais ça? De quoi? Pourquoi tu pensais que c'était un russe? À la façon de jouer? Oui. Les plus souvent, les... Après, je suis pas raciste, hein, mais je dis juste... C'est l'habitude de faire comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être me confirmer si j'ai raison ou pas? En allant regarder. Ouais, je suis allé voir. Alors, hop. Ah merde, je peux pas le voir. Si, ça y est. Hop, afficher profil. Alors. Ça s'affiche pas. C'est mis en privé. Peut-être que t'as fait partie. Peut-être, ouais. Bizarre, quoi. Il faut que... Mais non, pourtant. On va attendre. Et tu vois, je tombe sur des... Je descends mon grade, comme ça. La dernière fois, j'étais... Ouais. Voilà. Tu vois, et ça... Ouais. C'est russe? Je sais pas encore. Ok. Non, et à chaque fois, je descends comme ça, truc, parce que les gens... Chiant. Ils s'amusent à hop, hop, hop. Je descends vite, hein. Pas croire. Pourquoi je peux pas avoir son profil? C'est où, ça? Lui, non. Là, est-ce que je peux voir ce profil? Non, non, je peux voir aucun des profils. Ce que je sais, c'est que je l'ai signalé et que je l'ai bloqué. Donc on retombera pas sur une nuisance comme ça. Attends, je vais essayer de voir. Non. Rechercher des personnes, voilà. Je trouve ça dommage que sur le jeu, il y a des gens comme ça. Eh ouais, mais c'est rien encore ça. Hein. Il y a pire. Non, il est allemand, apparemment. Il est allemand. Ouais, il est allemand. Ouais, c'est aussi un peu... Je te confirme. C'est aussi un peu taré, ça, là. Ah non, ça va, en général. J'ai plutôt des gens cool, moi, quand c'est des Allemands. Ah ouais, tu vois, c'est rigolo. Bon, en tout cas... Quand je tombe sur des Allemands PS4 ou Russes, je peux te dire que la game, elle est foutue. Hein. Ah, les Russes, ça rigole pas, quoi. Ils en ont rien à foutre. Ils juste à leur présence. Dans tous les sens, ouais. Mmh. Bon, mon petit Nathan, merci beaucoup encore une fois. On a fait plein de games aujourd'hui. Merci à toi, mec. C'était cool, c'est cool, c'est cool. Prochain stream, peut-être demain, c'est pas sûr. Lundi, mardi, c'est pas sûr. Donc sûr, ça sera mercredi soir. Voilà. Ah bon, je vais voir demain, j'en saurai un peu plus et je ferai le planning en conséquence dans la journée. En tout cas, merci bien. Passe une bonne fin de soirée. À toi aussi et merci. Avec aussi. Plaisir. Bonne journée demain. D'avoir invité. Eh ben écoute, c'est cool. On refait ça quand tu veux. C'est bien, à force, on va pouvoir faire des teams complètes, tu vas voir. Entre Reaper, toi, Sachix, qui est-ce qu'il y a d'autres? Il y en a plusieurs qui jouent. Malinx, Lynx, tout ça, ça va le faire. Merci beaucoup, mon lapin, passe une bonne nuit à toi. Ciao, ciao, peut-être à demain, sinon à mercredi. Merci, toi aussi. Ciao, ciao, salut. Hop, voilà, petit stream ce soir sur DBD, pas de stream surprise, parce que, bah ouais, en plus, c'est vrai que cette semaine, il n'y a pas de jeux qui sont sortis, qui m'ont plus parlé que d'autres. Ah, j'ai plus la cam, tiens donc, ça tombe bien, du coup, et là, je suis freeze, voilà, ça arrive, c'est comme ça.
Du coup, on va se mettre en fin de stream. Merci beaucoup, les petits lapins. Passez une excellente soirée, une bonne nuit. Faites de beaux rêves de chasseresse, de spectre, de pig, de tout ce qui peut. Ouais, de Myers qui vous regarde de loin et qui appelle Freddy dans vos cauchemars. C'est le mec qui rassure avant de dormir, c'est cool. Merci à vous, en tout cas, passez une excellente nuit, de gros bisous, et peut-être à demain, sinon à mercredi. Ciao, ciao.